Moi, je dirais qu'il faut prendre un sloop et je pense que le brigantin n'apporte. Ah, il y a un peu plus de stockage peut-être? Je sais pas. De stockage, on est deux. Bah ouais, en fait, tu vois, je me dis, on s'en fout. Sloop à deux, c'est le mieux. Je suis de votre avis. Je Bah pense non, qu'on parce s'en que moi, quand branle. je t'ai dit sloop, tu m'as dit on doit prendre un brigantin. Ah non, 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 non. Non, non, la dernière fois, j'avais bataillé. J'étais pas content qu'on ait pris un brigantin et c'était des galères à faire les manœuvres et tout. Je propose qu'on prenne un sloop. Oui, parce que tu m'as bien dit la dernière fois qu'on devait prendre un brigantin, quand je t'ai dit qu'on voulait quand je voulais prendre un sloop. Ah non, pas la dernière fois. Alors là, non. Ah non, hein. Attends. Ah non, non, non. Le sloop, c'est le plus petit, on est bien Parce que d'accord. moi, j'ai... Oui, moi, j'ai toujours voulu prendre un sloop. Oh, non! Quoi? Mais la Ah VOD est si! sortie, tu peux pas dire des trucs comme ça! Bon, Il y a des preuves et elles sont publiques! Faudra aller regarder la VOD. Pharisien, c'est moi qui voulais prendre Tu un sloop. mens de Et ouf! t'as demandé un brigantin. Alors, pas Non, c'est possible. Terra, Pas Terra qui voulait le possible. brigantin. Bon, vous me le bannez, lui, déjà. Vous les bannez tous ces enculés parce que là ils mentent tous là. Alors, bah du coup, équipage fermé. Ah ouais, alors non, attends, pas bah oui, il y a un problème, c'est que je pense que... Ouais, mais on n'a pas le choix en fait. Ouais. C'est que dans cette mission-là, étant donné que, à la, en tout cas, le Fort Boyard, c'est t'as peu de temps pour prendre tout, à deux, on est complètement désavantagé, là où à quatre, ils peuvent prendre plus de trucs. Ah oui. Donc je sais pas comment ça va se passer à deux. C'est faisable à deux. Eh, par contre. Oh, j'espère que je vais pas redémarrer mon PC. Pitié, non. Bon bah je Ça vais... dépend de si dans le jeu ça continue à me faire des dingueries là. C'est faisable à deux. Merde, j'ai levé l'ancre. Oh. Attends, je vais baisser les volets parce que là... Bordel de merde. Parce que attends, je peux pas te rejoindre moi. Impossible d'afficher vos amis pour le moment. Mais nique ta mère. Oh bah ça fait plaisir quand je reviens. Pardon. Impossible d'afficher vos amis. Moi j'aimerais bien afficher mes amis. C'est le chargement qu'il y a depuis tout à l'heure là? Putain, c'est long. Alors... comment j'invite quelqu'un? Je peux te Mon rejoindre là. équipage. C'est bon. Juste... Ah bon? Ouais, je m'invite. Je m'invite directement dans le bateau là. Mec gênant. Ouais. Il est où mon sloop? Attends, non, je viens de penser à un autre truc. On est quel niveau? Deux. Quand il aura fini d'être un petit plaisantin, il pourra me répondre. Trois. Qu'est-ce que... Comment on fait pour savoir quel niveau on est? Parce que cette Échappe. quête-là, c'est niveau 50. Ah, je sais Et pas on ce... est quel Oh. niveau? Ah ouais, non, mais c'est un truc pour les pirates légendaires, là. Je sais pas. Parce que moi, je suis pas légendaire, hein. Moi non plus. Comment on fait pour savoir quel niveau on est? C'est dans quoi, bordel? Journal des pirates? Saison 3. C'est une blague? Attends, réputation. Oh, je sens qu'on est Réputation. 12. Enfin, toi, t'as plus joué un peu. T'es peut-être 30. Bah, ça, en fait, c'est quoi le niveau? Parce que si c'est la saison C'est 3, ça dit que réputation. je suis... Ah, réputation. Bah oui, mais c'est laquelle des réputations? Il y en a plusieurs. Ah. Parce que si c'est collectionneur d'or, je suis niveau 35. Alors, Il moi, faut tu être vois. 50 partout. Non, mais il y en a, ils disent 30. Non, mais attends, est-ce qu'il faut être une légende pour faire cette mission? Ça, c'est ça la vraie question. Moi, tu vois, je suis. Alors, casse-toi. Où est ma réputation? Ça a jamais été très Non mais là, clair. Hein, c'est. c'est vraiment le bordel, le jeu. Je suis Vraiment d'accord. pour Les quand il y a des menus, nouveautés ou quoi. pas clairs les menus. Je comprends rien. Saison 3, réputation. D'accord, c'est bon. J'ai. Vous inquiétez pas. Par contre, alors effectivement, collectionneur d'or, c'est bon. Par contre, les autres, T'es c'est combien collectionneur vraiment pas d'or? bon.
je suis 32. Ouais, bah voilà. Moi, Mais. je suis 35, Alliance des Marchands 22, Ordre des Âmes 30. J'ai 32, 22, 28. Mais apparemment, faut pas être légende. Faut être quoi? Quelqu'un? Il faut être 50 de réputation dans 3 domaines. Mais c'est vrai Non, ça mais ou ça, c'est pas? pour être légende. Est-ce que pour la quête dont on Non. parle, la quête La dont on caisse, je parle sais pas d'ailleurs, comment elle s'appelle. bah génial. Il faut la récupérer près du marchand de quête. Qui D'accord. doit être ici. Mais comment je fais pour savoir en gros? Bonjour. Bonjour. Est-ce que... C'est où Acheter une qu'on voit licence ce... d'émissaire pour représenter Non, cette ça... société. D'accord, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, mais... Pour la quête en question des caches, vous pouvez la faire en l'achetant au mec des collectionneurs d'or. Voir ce que vend le collectionneur d'or. Du coup, je Ah, c'est regarde. ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est barreur d'or? Donne accès au voyage de barreur d'or. C'est ça ou pas? Ah, moi j'ai Ah non, c'est loup peut-être... de Ah mer. non, c'est ça, c'est une cache imposante, verrouillée par le discret. Ok, et comment je... Parce que là, ça me dit que mon inventaire de voyage est plein. Ah, moi Comment aussi. je le... Comment je libère mon inventaire de voyage? Quelqu'un sait? Comment on dégage des quêtes qu'on a de notre... Faut aller dans la cabine et annuler le voyage. Oh putain. Oh les... Mais vraiment, c'est de la merde, ça. Parce que je peux pas juste afficher mes quêtes, genre avec une touche. Quête. Non. Oh, je vois, d'accord. Donc on a sûrement Tab, accès aux quêtes de voyage. level 30, mais pas aux quêtes Alors, de level tab, voyage, quête. 35. Mais y a pas voyage. Je fais quête, voyage. Ah, et ça. Voulez-vous vraiment renoncer à ce voyage? Bon, elles sont toutes à chier, je suppose. Donc je vais faire oui. Ah bah voilà, on peut, Voilà. voilà, c'est quand même moins chiant. J'ai tout enlevé et je sais pas si j'aurais dû. Et voilà. Maintenant. Maintenant, j'ai accès à cette quête-ci. Mais est-ce que c'est la bonne? Une cache dangereuse, verrouillée par le Moi discret j'ai Black une Souls cache 5. imposante verrouillée par le discret Peglégory. Moi alors moi c'est les voyages de loup de mer d'or. Toi t'as quoi? Bah oui, moi aussi. Mais en fait, la quête qui m'intéresse, je crois que c'est celle-ci. C'est une cache dangereuse, verrouillée par le discret, machin. Ok, bah c'est juste que nous, en fait, j'ai pas le même nom, donc je trouve ça bizarre, mais... Mais le dessin, c'est quoi? C'est un truc avec quatre flammes, un espèce de tombeau avec quatre Ouais, flammes. comme un temple. Bah ouais, mais du coup, comment on fait pour savoir Expliquez-nous si c'est la juste pour bonne? savoir si c'est la cache imposante ou la cache dangereuse. Peu importe. Attends, j'ai acheté le barreur d'or. Je sais pas si ça change quelque chose, Ah bah mais... moi je pouvais pas l'acheter. Je l'ai acheté, ça va peut-être me Parce que donner je suis pas accès à des les... quêtes... Ouais. Parce que je suis pas level 35 moi. C'est la même, c'est des quêtes random. Ok, les noms changent mais on s'en fout. Bah attends, je l'achète, je l'achète. Ouais, vas-y. Surtout si t'as accès à Barreur d'or, elle sera mieux. Ouais, ok. Vas-y, c'est bon. Ok, je dois pas l'accepter quelque part, hein, dans le bateau. Maintenant, est-ce qu'on doit prendre des... Ah ouais. Mais ça coûte du pognon, le problème, ça. C'est un peu de pognon. Surtout si on se les fait voler. Ce serait pas marrant. Attends. Ah non, c'est pas ici. Madame, c'est où qu'on vous achète vos trucs, là? Caisse de stockage. Ouais non, ta mère. Et je prends des boulets. Ça coûte cher, mec, hein, ça coûte J'ai super pris cher. des... Non, 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 non. Je peux pas prendre pour 17 500 Ah non, non, moi j'ai pas de pris ça. Hein. bouffe. Là j'ai juste pris pour l'instant les boulets. Mais Non mais même ça, même 17 500, je la crois que c'est une bouffe, on peut. caisse. Je crois que c'est une caisse. Ouais, mais la caisse de stockage, ah oui. Non, mais même la bouffe et les planches. En vrai, ça se trouve sur l'île. Vas-y si tu veux, moi j'ai pris des boulets. Non, vas-y, c'est de la merde, j'ai la flemme. Bon, madame, vas-y, je vais vous acheter ça. Vous pouvez Alors. acheter un pavillon d'émissaire d'or et le hisser pour avoir une somme supplémentaire quand vous vendrez les coffres. Ouais, mais ça coûte 20 000. Bah, c'est donné. C'est où? C'est où qu'on l'achète le... Bah, C'est... près du collectionneur d'or. Ah ouais. Ouais, alors D'accord. qui est le plus con dans l'histoire? Ah bah moi là, mais... Je le veux.
Ah Ce truc qui est sur le ouais, la côté. licence. Moi, je prends directement ça. Je suis un bon pigeon, moi. Et le Apparemment, reste, ça c'est donne pas de bonus? ultra rentable. Oui, bah surtout quand c'est pas toi qui l'achètes. Du coup, le reste, c'est bon, on s'en Je ne fout. fais que lire le chat. Hein. Bien sûr. Attends, mais il ressemble à rien notre bateau là. Hop, hop, hop. Vous serez visible sur la carte. Mais vous êtes des malades mentaux. Ah, c'est vrai? Ouais, mais on a un sloop. Ouais. Oh, mais je veux des Bah faut trucs que qui tu viennes embêtent. voter après. Faut voter pour représenter cette société en tant qu'émissaire. C'est faux, vous êtes pas du tout visible. Ouais bah voilà, c'est bon. Ok, je vais voter. Eh ben on fonce alors. Mais je trouve que le bateau il en jette pas du tout assez. Bah c'est de la grosse merde en fait. Il est dégueulasse. Est-ce Attends. que j'ai de la personnalisation? J'ai Je quelques vais regarder. personnalisations. Au niveau Quelques-unes. des voiles, est-ce qu'on n'a pas un truc qui claque? J'ai pas. Ouais. Ça, on va pas dire que ça claque. On va pas dire que ça J'ai des trucs, claque. mais ça claque pas de ouf. Genre, c'est pas J'ai. un cul qui claque, Mes quoi. Genre, c'est canons. pas. Les canons sont pas mauvais, mais tu dois les avoir aussi, celui-là. J'ai pas de truc que Je t'as crois. pas, je Je sais pense. pas si j'ai des canons modifiés. Hein. Moi, j'ai des canons en or, là. Canon de perroquet. Canon Ah, de il y a des perroquet, voiles, c'est elles sont pas belles, mais je mal. les ai pas. Ouais, non, je vais économiser de côté pour l'instant. Attends, des voiles là. Moi j'ai envie de dépenser de ouf par contre. Je suis lancé moi. Je veux une Parce que ouais, voile. c'est nos... les voiles, elles sont pas belles en gros. Elles sont pas incroyables là? Elles sont blanches. Donc Ah, mais J'aime. t'as pris des canons thématiques avec mon volant, c'est pas mal. Oui. Oh! C'est quoi la monnaie bleue là? Ça, ça vaut très cher. Ah ouais? Ça pourrait être marrant que je le dépense. Vas-y, change-moi la voile. Attends, si je le dépense, faut pas que je prenne de la merde. Parce que là, elles sont pas folles, hein. Il y en a une, c'est une rose. L'autre, c'est un. Ouais, je sais bien, hein. C'est un éléphant. Et l'autre, c'est. Voile Ah d'aristocrate. ouais. Attends, attends, attends. Le truc pour remonter l'ancre là, il est pas custom. Non. Ah bah bouge pas. Le cabestan. Oh, il y a des beaux cabestans par contre. Il y a Bah des attends, très beaux justement. cabestans. Là, je suis en train de. Oh, il y en a du beau, hein. Il y en a Sa du mère, beau. comment ils sont chers. Oh, sa mère, ça donne envie d'avoir de l'argent. Ah, il est beau celui-là. C'est un Oh. cabestan crabe. Oh putain. Après, si je veux être full thématique, je peux reprendre un truc qui est dans la même lignée, mais. Encre de Kraken. Oh là 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 là, il est dark. Est-ce que j'oserais prendre le cabestan crabe? Il coûte combien? Écoute, 110 000. Ah, je le vois. De crabé. Ouais. Ah, il est énervé, hein. Sinon, il y a celui qui est thématique à 69 000. Celui de perroquet. Je Vas-y, je vais sais. prendre celui de perroquet. Oh, le bel achat. Je sais que Oh, l'achat de fou. je vais acheter une voile, mais je sais pas laquelle. Alors, de toute façon, là, j'ai pas assez. Ah, en même Celle-là, temps, je ils la ont fait en trouve sorte qu'on puisse stylée, la voile du customiser plein de perroquet. trucs. Mais elle est gentillette, quoi. Oh, on peut avoir un canon custom qui tire de la poudre à canon de couleur. Ah ouais. J'aime bien la voile du perroquet. Bon, on va être full thématique perroquet, hein. Si, je la prends. Bah, c'est la moitié de ma fortune. Vraiment. Je l'aime bien, je la trouve belle, vas-y. Ah bah, il y a des figures de proue qui sont pas faites pour les lopettes, hein. Je Ils l'ai sont prise. vachement belles, hein. C'est pas la meilleure, mais écoutez, moi je la trouve stylée. Oh, j'ai dit t'as acheté une fumée violette à 110 000, mais non, ce serait abusé. Bon bah il est déjà mieux là, Alors, fais-moi on voir viendra pas cette nous attaquer voile avec ça. qui était la moitié de ma fortune. J'ai trop le seum. Ah, on voit pas. Tu vois? Ah oui, on voit pas très bien en plus. Ouais, bon, on pourra pas Oh, profiter du trois, spectacle. trois plumes de perroquet, on va dire. Bon, écoutez. Bon bah alors attends, mettons la quête Oh, par et... contre. Oh, ouais. Le cabestan perroquet plus le gouvernail plus le canon, c'est quand même quelque chose. Ah bah c'est beau, hein. Et encore on pourrait avoir je pense un navire avec
des couleurs perroquets. On a mis une figure là, de proue. J'ai mis un... Ouais, j'ai mis un lion en or à l'avant. Ça va, bah, c'est tu vois, plutôt ça, raccord. Ça fait genre on a du pognon, tu vois. C'est plutôt on a du raccord. pognon. Et qu'on veut du pognon. Ouais, c'est bien. On n'est pas là pour branler des mouches. Achète la coque. Bah ça... ouais, je me dis qu'il y a forcément la coque la qui coque du correspond. Perroquet, mais qui doit coûter Attends. 500 000 balles. Fais voir, la Sharon, coque la du coque là. Perroquet là. Ça doit être celle-ci. Ah ouais, vos soit. Putain, elle est accessible en plus. Allez. T'as combien l'argent là? Ah, j'ai 51 000, j'ai trop le seum par contre. Au pire, je la prendrai après qu'on ait fait un peu de thunes. Tu sais quoi? Mais non. Mais non. Vas-y, vas-y, on vit qu'une fois, on vit qu'une fois, putain! Oh, il va être beau! Comme un sous-neuf! Regardez! Oh là là, hé! Oh C'est pas le même bateau, hein. putain! C'est pas le même bateau. Oh mais Attends. voilà, mais voilà! Il y avait pas des... Oui, il y a un dessin là, regardez. Voilà, et là? Là, c'est énorme. Je m'éloigne un peu là? Ouais, c'est bon. Oh là 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 là, quelle classe! Ça claque. Quelle classe! Ça claque de ouf. Si on oublie que ça s'appelle perroquet, il est juste Ouais. classe. J'aime bien les couleurs et tout. Maintenant, faut rembourser. Faut aller chercher des thunes. Bah allez, on va, vas-y, mais valide la quête. Ouais. C'est voté pour moi. C'est en bas? C'est où? Ah, c'est là. Voter pour la quête. On y va. Alors ça marche comment déjà? Ah oui, ça faut Alors. faire quête. Ah et Ah, j'ai une boussole là. attends, ouais, c'est comme Jack Sparrow, ça nous indique la direction dans laquelle aller. Eh bien, c'est plein plein nord. Bah vas-y, guide-moi. Ok, demi-tour. Ah merde, faut remonter la cabessa. Petite cabessa là. On y va. Ouais, c'est tout derrière. Tu dirais que c'est quoi la direction? Bah, je vais te Devait dire comparer stop. au Je vais. sol. Ah! C'est en train de changer. Ça tourne Bah, on beaucoup, je tourne. trouve. Ouais, je sais, mais ça tourne beaucoup, je trouve. Suivez la boussole. Oui, bah, va à droite. Vas-y, fonce à À droite, droite hein. maintenant? Ouais, bah, ça a complètement changé de. C'est quoi cette histoire? Je trouve que ça a beaucoup changé là. C'est à 90 degrés vers la droite, là, tu vois. Tu la vois, Mais. ma. Bah. C'est Faut que tu te plein. mettes vraiment en face de moi Plein pour que je la nord, j'ai voie, mais. l'impression. J'ai l'impression que c'est plein nord là, du coup. Ouais, le Bah, je nord. tourne, mais ça. Ah! Ça a l'air d'être mieux là. Voilà, on est bon là. Là, on est bien. Ça a l'air de pointer nord, du coup. Ouais. C'est bon. Ok, mais du coup, au nord, il y a quoi? Fais voir. Une Ah, la clé carte. en or pour un trésor inestimable. Ah, moi je pense que c'est sur Smuggler's Bay. Ah, peut-être. C'est qu'on n'a pas la distance, on pourrait être extrêmement loin. Ah, c'est loin, Smuggler's Bay. Puis on a le vent, donc en vrai ça passe. Voilà. Ce sera toujours moins chiant que de faire les quêtes avec Jack Sparrow. Honnêtement, parce que Jack Sparrow, on rentre dans des pièces avec des pièces d'or. Et on peut pas les prendre. Non, non, là, si au moins on peut juste avoir des trésors legit, c'est bon. Un peu à gauche là. Attends, ça bouge un peu, hein. Ouais, ça bouge C'est un à peu. gauche maintenant. Et là, encore, allez. Encore à gauche, Ouais, mais c'est encore à gauche, salopard! hein. Vas-y, je te dirai quand ça bougera, mais Ah, il là y a pour une plage là, l'instant. attends. Attends. Est-ce que ça. Ouais, ça m'indique la plage en fait, hein. Ça vibre? Ouais. Attends. On Ouais. s'arrête? Je sais pas, ça m'indique la gauche encore. Ça m'indique un peu derrière. Ouais. Ok, vas-y, je Non, baisse la voix. c'est tout derrière maintenant, c'est tout derrière, c'est tout Ok. derrière. Faut On va braquer. faire demi-tour. En fait, ça m'indique pas forcément pile poil la plage, mais en tout cas, c'est pas loin de la plage. Est-ce que c'est sous l'eau? Je sais même pas ce qu'on doit chercher, hein. Bah, Un j'en ai trésor? aucune idée. Enfoui? Je suppose que c'est sur cette petite île, hein. Enfin, vu qu'il n'y a rien d'autre. Après, ça peut être sous l'eau, mais. Ça m'étonnerait. Vas-y, remonte complètement la voile.
Allons à la plage. Ouais, ça a l'air d'être quand même pas rare, hein. On va pas péter le beau bateau. Je fais un créneau. Ouais, c'est... Je sais pas, attends. Ah, ça vibre quand même. Ça vibre de plus en plus. Ah, ça vibre de dingue. Ah, ça sent bon. Ah, alors. Et là, là, regarde. Oh oui. Oh oui, mon ami. Le parchemin déchiré de cartes. Oh, ça y est, l'aventure commence. Qu'est-ce que c'est? Ouh, le morceau de carte. Quoi? Bah ouais, c'est un bout de carte là. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un bout de carte. Non, non, non. Le monde, c'est la même. Alors, GH, bah c'est cool. Est-ce qu'on doit aller chercher les autres du coup? Non, je suppose que maintenant la boussole va nous indiquer un autre endroit. Ouais, elle nous indique un autre endroit. Prenons des trucs dans les. Dans les tonneaux. Dans les machins. Et bah, on va chercher les autres, hein. Mais comment ces poules peuvent survivre? C'est étonnant. Tiens, regarde. Je te montre un truc. Ouais, non. Avec non, des vers? Tu pensais qu'elle survivrait avec des vers dans le sable? Putain. Non, je pensais juste qu'il y aurait un trésor avec genre un giga coup de chat. Mais ça marche pas comme ça. C'est jamais. Il y a toujours une chance. Si tu mettais un coup de pelle à chaque fois que tu arrives sur une île, un jour t'auras un trésor peut-être. Si on m'avait dit 1€ à chaque fois que j'ai mis un coup de pelle. Des sangsues. J'ai déterré des sangsues. Ouais bah voilà. Tu vois que j'ai eu un trésor. Oh. Ah, je les ai bouffés. Gros porc, hein. C'est pas pour toi, c'est dégueulasse. Pour les poules. Ah, vous voyez, regardez, je lui ai mis le doute dans son esprit, du coup il a pris quelques coups de pelle. Non, c'est pour les sangsues. Ça marche toujours le truc de l'épée là. Ah, buvez assez de grog pour vomir. Ah merde. Ah oui, le truc pour avancer plus vite. Je sais plus comment ça. Comme ça. Wouhou. Ah. C'est chier. Je sais plus comment on fait. Alors du coup, la boussole. T'as largué les amarres? Non, faut que je remonte. Oui, faut que je remonte. Quand même pratique, ça va vite, hein, sloop. Eh ben, ça bouge, ça bouge. Plutôt à gauche. Ouais, plutôt tout droit maintenant. Bah vas-y, bah... on est bien là, tout droit. Les voiles. Oh, l'orage. Ouais, ça a l'air d'être par là, ouais. À peu près, à peu près. Ça doit être sur l'île qu'on voit, là. À tous les coups, hein. Ouais, 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 ouais. Il me semble suspect. On va se taper l'orage. On passe en dessous là, c'est quoi ce gros champignon noir? On va se taper l'orage. Maintiens la boussole pour être plus précis. Ouais, c'est vrai, peut-être. Comment c'est pas? Je suis pas sûr que ce soit le plus précis. Bah, clic gauche, c'est plus pour faire des pas. Non, c'est pas plus précis, c'est. Oh, c'est toujours tout droit, ouais, je pense qu'on est sur la bonne île. Par contre, est-ce qu'on peut avoir le vent là? Bah ouais. Et voilà. Ah, ça pulse, le kraken. Ni le mégalodon. Jamais vu le kraken. J'avais aucune peur qu'il vienne du coup. Tu l'as jamais vu, comment ça? J'ai le mégalodon, mais je suis pas sûr d'avoir eu le kraken. De toute. T'as une expérience Sea of Thieves, t'as jamais vu des grands tentacules sur toute la gueule du monde ou pas? Je sais pas si je l'ai vu en stream ou si je l'ai vécu. Non mais attendez, on l'a déjà fait plusieurs fois quand même le Kraken. Plusieurs fois? Bon. Non mais on l'a déjà fait, c'est obligatoire. Non mais c'est possible que je l'ai vu, mais pas mille fois hein. Clairement Moi je l'ai vécu plusieurs fois. Moi non. Une fois oui je crois, je me souviens sur un stream qu'on a fait mais. C'est toi qui as voulu qu'on prenne un brigantin. Un sloop. La petite clé, elle s'agite. Ouais, elle bah je pense qu'on se rapproche. Elle est contente. Il faut que tu me remontes bientôt la voile. Ouais, pas de soucis, ouais, j'arrive. C'est bon, je
Attends, attends. On va s'arrêter au ponton parce qu'on n'est pas des sauvages. Il est où, il est un peu haut le ponton, je trouve. Ouais, il est très haut. Il est parfait pour la taille de bateau, mais bon. C'est un peu. Il y aura bien une échelle. C'est pour les gros navires, quoi. Nous, ils s'en battent les couilles. Vas-y. Tu peux larguer. Vite. Papa, papa. C'est où là? En espérant que c'est sur cette île. Hein. Imagine, c'est pas là. Ouais, c'est pour ça. Oh, la clé elle. Elle va un peu partout. Ah, oh, c'est des fantômes! C'est des fantômes! C'est des fantômes! Ah merde! On peut les combattre? Mais ils sont mal! Vainquer un fantôme, c'est fait. C'est quoi cette histoire? Bah ils sont sympas, ils font pas trop mal et tout. Mais pourquoi il y a ça? Ouais, devant, ok. Ça se trouve, c'est pas sur l'île. Hein. C'est moi tranquille, je cherche de l'argent. Est un beau gosse. Ouais, t'as pris de l'avance un peu là. Bah de toute façon, si tu suis tout droit, tu vas tomber dessus avant moi normalement là. Mais. Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais. Moi pendant ce temps-là, je me fais des. Et moi pendant ce temps-là. Ah. Eh ben, on peut continuer, hein. Je pense qu'il y en a au moins deux autres à récupérer. Ouais, on y va. Oh, c'est une. C'est... Ça y était pas avant ça. Oh le malade. Ah ouais, on devrait peut-être passer par là, c'est à plus vite. Bien plus vite. Ils n'ont pas réglé ce truc-là de l'épée quand même. Alors ils sont c'est gentils. Pas très logique. Ils sont gentils. C'est vrai que ça n'a aucun sens, mais. Mais merci. Ça Allez. Indique derrière. 180 genre. Pour l'instant, ouais. Après, ça change toujours un peu au début. Attends, attends, mon mignon. Attends. Vas-y. Que vois-je? C'est quoi cette embarcation là? T'as vu? C'est à quoi, qui? Cette histoire là? Qui est venu ici? Des fois c'est échoué comme ça? Je sais pas, j'ai l'impression de voir une caisse à côté. Qui a laissé ça là? Pas commun, hein? Oui, c'est normal. Oh. C'est. Oui, c'est normal pour ceux qui ne sont pas curieux. Un petit peu à droite. Celle-ci? Non. C'est un avant-poste, ça. Il n'y aura rien sur l'avant-poste. Ouais. À tous les coups, c'est derrière. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu vas me le dire parce que tu vas aller voir la carte. Sea Dogs Rest. Ok. L'île du chien. Sea Dogs Rest. Les restes du chien de midi. Presque. L'île du repos du chien. Ce qui n'a aucun sens. C'est pas. C'est pareil. Pourquoi l'île ressemble à un chien? Attends. C'est en forme d'os, de nonos. Tu vois? Alors, malheureusement, c'est en forme de rien du tout. Ah ouais, c'est trop petit pour être en forme de quelque chose. C'est nul. Regardez votre carte. Pourquoi? Non. Oui, ça va nous montrer certainement l'île, mais j'attends de la reconstituer en entière. Ah, oui, on pourrait peut-être la deviner, mais bon. Oui, mais on n'est pas là pour ça. C'est pas rigolo. Pas rigolo, je vais me vider les poches.
Je crois voir l'île du chien. Ah. Je pense que c'est celle-ci. Ouais, elle doit être bien en face là. La salope. Quoi? On va faire un truc. À 3, 2, 1, on sautera en même temps du bateau. Le premier qui trouve le trésor. D'accord. Je sais pas si tu te défies, mais t'as okay. compris le principe. Ça va être énorme. Ok. Non! Ah, je vais sauter un peu trop tôt. Ouais. Salut! Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas fait exprès. Pourquoi il a fait ça? J'ai pas fait exprès. J'ai trébuché. Oh, je pense qu'il va pas tarder à y avoir une sirène. Ils ont annulé les sirènes dans la 1.7. Je pense que ça va pas tarder là. Maintenant c'est un Uber qui vient le chercher. Putain, bah nickel. Ça a mis combien de temps à arriver là? On arrive bientôt. Oui. Ça bouge bien. Hein. On a une belle mer aujourd'hui. Et en forme. Quelle île de merde! Ouais, c'est vraiment tout petit. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce caca là? On pourrait l'acheter, je pense. Ça t'a coûté attention. 5000 balles ça. Bah, je vais me mettre sur le côté. On va lâcher l'encre. C'est quoi que je vois au fond de l'eau là? Dis donc, ça brille. C'est des algues. Oh, c'est... ça brille de mille feux. Il y a pas mal de choses qui brillent, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que je lève l'encre? Enfin, est-ce que je jette l'encre? Attends. Ouais, ça va nous faire chier ça. Je vais changer d'arme. Arsenal. Quoi, y'a quoi? Ah oui, d'accord. Voilà. Ouais, vas-y. Voilà, je vais prendre ça. Parce que lui, il va nous casser les couilles. Bon, c'est plus facile. Ah ouais. Voilà. Bon. Ça tangue trop. T'as lâché l'encre? Non. On se met tous les deux ici. Prends des munitions. Elles sont où les munitions? Ah, ici. On se met tous les deux ici et on se tient prêt. Là, il faut vérifier un truc. Ok, on le saura non, pas. Non, attends. Ouais. Ah ouais. Ok. Attention, tu es prêt? Oui. 3, 2, 1. Oh, j'ai... C'est mort. C'est mort. C'est terminé. Ce défi est terminé. Ouf. Ah ouais, alors là, en plus, il est juste devant quoi. Vraiment, il n'y a aucun fun. Pas mal. Par contre, on a des beaux objets là. Ouais, je ramène tout ça. C'est quoi ça? C'est une caisse de stockage? On a qu'à ramener une chaloupe. Ah, j'ai des boulets enchaînés, des petits boulets de canon enchaînés pour qu'ils s'enroulent autour du mât de la barre ou du cabestan et les détruisent. C'est vachement bien. Oh. Par contre, la chaloupe, on peut pas l'accrocher à l'arrière de notre bateau aussi? Non? Si? Ah, on non peut pas sur les sloops. Ce serait nul. Je sais pas, mais attends, mais il y a des trucs là, Théma. Ah non, c'est toi qui as mis ça là. C'est qui lui? Oh, c'est quoi? Tu veux quoi lui? Tu veux quoi? Eh, hey, t'es un ouf toi. Ah. Ah, alors je suis mort. Alors genre, là il fait mal quand même. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas vers le ciel. Ah mais non, tu peux me sauver, ça veut dire en fait. Ah, j'arrive. Tu peux me revive, c'est nouveau ça. Il y avait pas de revive avant. Alors, soit parce que j'étais en train de recharger, soit je suis arrivé trop tard, mais j'ai rien pu faire. D'accord. Sympa. Oh, il est nul. Vous confirmez, on peut pas accrocher de chaloupe à notre sloop? Si, on si peut. Ah, ah bah, on va ramener okay, alors. Bah, vas-y, hein, let's go. Bon, ouvre-toi là. Oh, le 3, 2, 1. C'est bien. Putain, espèce de malade.
Tiens, amène-le près de moi là. Attends, je fais des réserves. Ouais, j'arrive. Il est là? Ah, tu l'as tué? Ouais. Ok, Alors. je crois que t'arrivais pas à le tuer. Faut que je le pousse. Oh le connard, Ouais, un fantôme. mais c'est nouveau cette merde. C'est incroyable. Pousser. Attends, pour moi, cette île nous réserve encore quelques surprises. Oh là, oui d'accord. Pas ici. Non, on a tout pris. Vu qu'on commence à briller, j'ai du mal à croire qu'on ait tout pris. A et E pour ralentir le bateau. D'accord. Il m'a stressé avec son histoire de coffre caché aléatoirement là. T'as vu, on sait pas en fait. Bah non, on sait pas. Qu'est-ce qu'on en sait au final? Rien du tout! On sait rien, si bah ça non. se trouve! Évidemment! On en est où au niveau de la. Ah! On voit l'île, on voit la croix. Ça se trouve, on n'a pas besoin du quatrième morceau de carte, j'en sais rien. Bon, écoute, dirige-toi vers la clé, moi je regarde l'île. Ça Ouais. ressemble à quoi? Ça ressemble à un genre de. De banane coupée en deux. Une petite île en forme de banane coupée en deux. Non. Plutôt comme ça. Petite banane. Petite banane. Tu vois la carte là? Attends, je cherche l'île. Une banane, c'est pas ici parce que là c'est des trucs. Ah ouais, on pourrait y arriver avec ça effectivement. Non, elle est pas de ce coup. Non. Non. L'île banane. Attends, faut Est-ce qu'elle que ressemble à un croissant? Oui, pour moi c'est genre un croissant, tu vois. Mais tu sais, très maigre au milieu. Comment on dit croissant en anglais? Tu n'auras pas le nom et dans tous les cas. Ah, je l'ai. C'est Crescent Isle. Ah ouais, possible. C'est où? Oh. Bah c'est pas loin de nous en fait, c'est juste au-dessus. Nord? Ok. Donc je suppose qu'on pourrait déjà y aller en fait. C'est là où je vais là? Ouais. En plein dessus. On y va. Mais c'est grave si on prend pas Je pense la, pas. La quatrième bout de carte. On est juste plus malin attends, que les attends, autres, c'est tout. Ça brille là. Oh c'est quoi ça? Attends, il y a des trucs qui brillent. On y va? Attends. Je suppose. Je sais pas. Pour l'instant, on n'a croisé aucun joueur, on en profite. Il va vous manquer un croix. Un ah, croix. Il y a plusieurs croix. Ah, s'il y a ah, deux croix. S'il y a plusieurs croix, c'est embêtant. S'il y a deux Je croix, c'est préférerais dommage. Les avoir tous. Ça me fait peur. Vas-y, remonte les voiles. Jette l'ancre. Ouais, parce que là c'est. On va loin là. On va loin là. Oh, on va loin. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai vu des trucs briller là. Oui, juste là. Un ouais, c'est quoi ce crâne. Machin? C'est un bâton divin? Oh, mais c'est quoi ça? C'est pour jeter des pouvoirs? Non, mais c'est quoi ce machin? C'est Poséidon qui avait nul. Ça? Oh, j'ai tiré vraiment? Oh! 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 Tu fais Oh! quoi?
Wow! Pas C'est sur le quoi cette... bateau. C'est incroyable C'est ça. quoi ce machin? Contre les bateaux, ça doit être sympathique là. Oh, y'a un Mais truc c'est là. quoi ça? Mais... Mais le jeu il a C'est un changé. truc de dingue! Attends, ça fait quoi si je te tire dessus avec? C'est quoi ça? Ça a l'air bien. Vas-y. C'est trop lourd. Oh! Pas loin. Pas loin. Dommage. Non mais c'est... Ça te fait rien en fait. Ah, je sais pas. Bonjour. Attends, bouge pas. Aïe! Si, je crois que ça a Mais fait ça un fait peu. des dégâts? Je crois que ça a fait un peu mal quand même. Ah, la caisse de sucre, ça se vend ça. Hein. Et j'ai pas de dégâts là dans la cale. Bah, j'espère que ce truc-là se vend, hein, le trident. Ok, go au nord. Attends, on a récupéré tout ce qu'il fallait? J'ai pris un coffre, enfin une caisse de sucre et un crâne. Oh, le détour valait le coup un peu. On a un trident, Ça va. c'est dingue. Bon, on sait que ça existe. Ça se vend pas. Bon alors attends, du coup, on doit faire un choix là. On récupère pas le berceau de cartes, mais depuis qu'on m'a dit il manque une croix, ça me fait stresser. Je pense que c'est un mec qui a menti ça. J'ai vu trop de gens dire que ça suffisait 3 morceaux de cartes si on voyait la croix. D'accord. Moi je pense que c'est un gros menteur qui t'a dit ça. Écoute-moi bien, fils de pute, dans le chat. Attends, j'ai juste dit je pense. Je suis pas sûr là. Vous aurez 50% de gold en moins. Vous perdez 50% du gold. Ça fait deux fois que je le vois là. Non mais attends Non non attends, vas-y, non non c'est bon, on va chercher le. Attends. À droite. On y va? Ouais, On on y va va, on chercher y le truc va. du coup. T'as Non dit mais gold. autant faire les choses bien. Non mais Ouais non moi je suis j'ai. d'accord. On a payé des trucs à 60 000 balles, moi je. Non c'est bon. Je suis d'accord, je suis d'accord. Ça va. Vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Ah c'est la petite île à gauche, je pense. Ah bah tu vois, c'est pas loin en plus. Ah, ça a peur d'être elle en fait. Non. J'espère que c'est pas trop loin. Si c'est la petite à droite, ce serait bien, mais je crois pas que ce soit ça. Je vais quand même faire ça. Ça dit quoi là? Ah, c'est peut-être ça. Non, c'est vrai que vous perdez du gold quand tu ramasses l'indice. Tu remplis une jauge en bas à gauche. Et il a peut-être raison. D'accord, j'aime bien cette info. On est des émissaires, putain, regardez, des émissaires de l'argent là. Ça c'est Si on propre. se fait attaquer quand on récupère tous les coffres, oh putain, je vais pas aimer. Oh là J'ai eu une là autre là. info, apparemment. Tiens-toi bien. Quand on sera dans, je sais pas comment ça se présente, mais on vient dans la salle où il y a tous les trésors. En fait, le seul truc que j'ai en tête, c'est quand on jouait à Borderlands et que il y avait plein de coffres à ouvrir. Oui. J'imagine que ça va être un truc comme ça. Toujours est-il qu'apparemment il y a trois médaillons, il y a trois emplacements de médaillons quelque part à insérer. Ouais. Mais faut trouver les médaillons. Ouais. Et les médaillons sont apparemment cachés, je sais pas où dans la salle. Ouais. Et il y a un coffre qui vaut 4000 pièces d'or. Ouais. Donc en fait c'est soit on récupère tous les coffres et on se dit fuck les médaillons, soit on cherche les médaillons. Les Mais médaillons, pendant ça a qu'on l'air cherche les rare, je pense que c'est médaillons, dur. De quoi? Les médaillons, ça a l'air rare et un peu dur. Plutôt que prendre juste les coffres. Ça a l'air d'être un truc Écoute. où faut un peu se faire chier.
Ça va être ici, je pense. Bon. Quoique. Oh là là, tu vois. Est-ce que c'est vraiment ici? Oh, puis on va faire un tour là-bas après aussi. Hein. C'est peut-être pas ici. Hein. Attends, il y a un truc. Ah, il y a un capitaine, genre un boss. Comme si on n'était pas censé faire cette quête. Aïe! Le navire a visiblement reçu des dégâts. Oui, je vais aller réparer. Ah. Ah oui. Bon, je vais le tuer lui, hein. Mange pas ta banane! T'es mort toi? Comment t'as fait? Moi? Non. Non, moi j'ai pas sauté parce que je crois que c'est plus loin le morceau de carte du coup. Ah j'ai non, pas mais sauté. Attends, j'ai des trucs là. Oh merde. Oh non. Ah si. J'ai un. Pour te dire, j'ai un crâne en or avec les effets de dire temps là. J'ai trouvé des trucs qui brillent dans l'eau donc du coup je vais les prendre avant là. Il y a des cruches et tout là. Des belles cruches. Cruchon. Quoi d'autre? C'était pas ici au final Non, c'est même plus loin que là où je suis là, c'est un peu loin. Coffre de quoi? Ah pourquoi il y a une jauge en bas? Oh merde! Il y a une jauge avec deux trucs. En bas à gauche. Coffre du chagrin. Oh, c'est giga chiant ça, putain. Oh non. Reviens vers moi, on pourrait peut-être t'aider. Non, mais c'est pas. Pour l'instant ça va, mais c'est le coffre qui pleure dans le bateau là. Oh non, c'est... ça c'est casse-couille. Faudra qu'on le pose sur une île. Oh le truc casse-couille. C'est bon, j'ai tout récupéré là. Vas-y, je reviens. J'ai pas d'utilité à tuer le gros balourd. Il rapporte pas grand chose. Je ne sais pas, puisque je ne vois pas le gros balourd. Je veux juste savoir si ça vaut le coup. Mais ils font chier des fantômes. Je vais tirer dessus pour voir. J'ai raté. Le gros balourd peut filer une gemme rouge. Ah ouais. Vas-y, largue les amarres. Merde. Ah, presque. Je me bien. Un peu tard. Je vais m'occuper du patapouf là. Avec ça. Oh, ça y est. Oh, ça y est, il pleure. Quoi? Je l'ai one shot? Ça marche si je fais ça ou pas? Oh non, le tri. Il est cassé le trident. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Mais vous sortez d'où vous? Bon, allez, je me casse. Apparemment, le mettre dans la barque ça marche pas, les petits amis. Hein. Votre conseil ne fonctionne pas. Ça a dû être fixe. Ça. T'as été dans le navire échoué du coup? Non, j'étais en train de. Décoper. Et au final, attends, parce que notre quête elle est où? Bah, plus loin. Ah, c'est plus loin, ouais.
derrière. Attends, mais j'ai vu tout à l'heure un navire échoué avec des mouettes qui tournaient pas très loin. Et là, je vois plus. Où est-ce que c'était? Il a pas disparu? C'est complètement derrière là. C'était par là, ouais. C'est encore par là? Ouais, c'est encore par là. Vas-y, va la direction des faisceaux lumineux. Ah ouais? Ouais, c'est pour un truc qui a rien à voir. Ouais, mais attends, on est en train de faire pas mal de choses à la fois, non? Ouais, ouais. Parce qu'il y a le coffre qui pleure, il y a tout le loot qu'on a à l'intérieur et que voilà. Est-ce qu'on ferait pas mieux de se focus sur un truc? Non, on va juste là au bateau échoué. Oh putain. Ah ouais? Ouais, on va au bateau échoué. On récupère ce qu'il y a à récupérer. On va à l'avant-poste vendre ce qu'on a en trop. Ok. Et on va faire la quête. D'accord. On a le temps, je pense que la quête Fort Boyard là, elle met pas 3 heures. Hein. Oh non, on aura le temps, je pense. Mais... Bah oui, emmenez-moi. Vérifiez l'état du bateau. Il va bien le bateau. Il est censé y avoir quelque chose sur le bateau. Ouais, il va bien. Pourquoi vous m'inquiétez? Il est où ah, il est là le navire. Ah mais attends, mais c'est de là que se dégage le faisceau lumineux en fait, c'est pas qu'il était derrière. Et pourquoi il se dégage? Il y a quoi dedans? Oh, qu'est-ce qu'on est en train de foutre là? Qu'est-ce que c'est? Je te laisse y aller parce que j'ai peur qu'il pleure et que apparemment ça coule très très vite avec le coffre. Ouais, ok, bah je vais à l'intérieur mais... Je sais pas ce que je suis en train de foutre. Hein. C'est un coffre de la mort. Ok, donc il faut aller vendre très très vite parce que c'est un truc dangereux. Oh putain, ça y est, il pleure. J'ai eu raison de rester. Ah, j'ai un coffre. J'ai un gros coffre. C'est le coffre qui te rend alcoolisé. Oh putain. Oh putain. Que des coffres de merde. Oh le bordel de merde. Attends. Je vais arriver. Je vais me noyer parce que je suis bourré. Allez. Oh, il pleure un chaud de larmes. C'est un gros chagrin là. Qui fait de la musique? C'est moi. C'est toi. Alors, je vais essayer de poser les coffres. Voilà. Bon alors du coup, faut toujours que je trouve l'autre coffre là, qui fait de la lumière. J'y retourne. Mais putain, c'est un autre crâne ça, mais il y a beaucoup de trésors, hein. Bon, j'y retourne. Le coffre de la mort doit être vendu au Reaper Hideout, vous rend visible et rapporte des pièces bleues et pas de l'or. Les pièces bleues, ça vaut beaucoup. Hein. Ouais, c'est pas mal les pièces bleues. Par contre, ça va nous rendre visible, du coup, il va falloir trouver un Reaper de Hideout machin assez vite. Je sais pas où c'est. Attends, parce que je l'ai toujours pas trouvé, hein. Depuis tout à l'heure, je prends des trucs. Ok. Alors. Oh, il doit être dans le fond là quelque part. Ah. Mais putain, il y a trop de trucs, c'est quoi ce machin? Ah, c'est le coffre de la mort celui-là. Ah, c'est celui-là qui nous rend visible. C'est où le Reaper Hideout? Il y en a partout ou il y en a qu'un seul endroit? Et est-ce que c'est... Non, c'est faux. On peut le vendre à un avant-poste? Si on peut le voir en avant-poste, il faut y aller maintenant, mais... Alors moi, si on me pourchasse, je jette le coffre à l'eau. Hein. Attends, parce que j'y retourne, il y a d'autres trucs. Oh! Qui c'est ça? C'est une sirène? Oh là. Qui m'attaque? J'avais jamais vu ça avant. Coffre de la mort.
C'est incroyable ça. Je pense qu'il faut qu'on y aille. Attends, parce que il y a d'autres trucs. Oh bon, s'il y a d'autres trucs, prenons un petit risque. Eh, hey, fini de m'envoyer des boules de merde là. Touché, connard. Est-ce qu'on prend le trident? Ça sert à rien, non? Bah c'est vrai que j'ai one shot le gros avec le trident. Ah. Mais est-ce que ça vaut le coup? Ah, y'a beaucoup de choses dans les tonneaux, mais bon. Bon bah je prends juste ça. Pas le trident. Tout le monde dit prends-le, mais... pourquoi? Prends-le pour fight. Ouais, je compte pas me fight. Le coffre de la mort se vend uniquement pour 25 pièces bleues au Reaper. Où est mon... Dans quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Merde, ça chiale! J'avais pas vu! Oh putain. Vas-y, retourne. Mais arrête d'y retourner, putain! Je vais chercher le trident. Oh bordel. Et ça se vend même pas? Non, mais apparemment c'est OP. Oh bordel. Tu sais qu'on est visible là sur la carte. Oui, mais on n'est pas plus visible que là où était le coffre. Je sais pas quoi répondre à ça. Bah voilà. Oui, mais ça leur donne envie de venir agresser quoi. Bon, je sais ils pas. Savent qu'il y a le... Non, le coffre n'a pas bougé d'endroit. Ils savent pas qu'il y a un bateau qui l'a. Ok. Et voilà. Alors du coup, le Reaper, tu sais où c'est? Non, mais apparemment il n'y a pas besoin du Reaper, donc je comprends plus rien. En fait j'étais en train de dire un message à la base. Avant que tu me casses les couilles avec ton grappinage là, du coup qui m'a fait perdre mon truc. Et ça disait je sais plus quoi. C'était un texte explicatif sur comment vendre. On peut déjà passer à l'avant-poste. Quelqu'un peut nous refaire le petit brief. On peut déjà passer à l'avant-poste pour éviter de perdre tout ce qu'on a. Vas-y. Le coffre de la mort se vend uniquement pour 25 pièces bleues au Reaper Rideout. Tout le serveur voit la position du coffre en temps réel. Ah bah lui, d'après lui, c'est le Reaper Rideout et c'est tout. Ok. Je vais à l'avant-poste qui est là-bas. Vas-y, je cherche le Reaper Rideout. C'est un non-deal, je vais le voir. Je sais pas si c'est un avant-poste. Il a raison, c'est ça. Attends, mais c'était pas un avant-poste ça. Oh merde. Tu peux me donner la direction de l'avant-poste parce que je vois rien en fait là avec les vagues. Ah, derrière nous. Droit derrière nous. À l'est? Complètement l'opposé à l'est. Donc, le coffre de la mort, c'est uniquement chez le Reaper. Vous êtes sûr? Dis voilà. Il est où le Reaper? Il me casse les couilles. Ah, je l'ai. Il est full sud-est. Pas... un peu loin, quand même, ouais. Un peu loin, mais apparemment, ça peut valoir beaucoup de pognon. Bon, on y va, de toute façon. Si le bateau est vide, moi, je m'en fous, hein. On a qu'une vie hein. Bateau vide, j'en ai rien à foutre. Je veux juste pas perdre tout ce qu'on a. On n'a pas grand chose pour l'instant. On a cet enculé que je me suis fait chier à consoler pendant des heures. On va y aller. Alors, je te laisse entrer. Mec qui vend.
On doit être pas très loin là avec ça. Alors. Ah bah y'a de la merde à vendre. Y'a pas mal de merde. Y'a pas. Au pire on prend la barque. Oh c'est galère. Oui, y'a pas une, un coffre où on peut mettre des trucs. Non ça fonctionne pas comme ça. Il est où le con? Il est là le ah con. Ah si si y'a des coffres où on peut mettre 3 objets, mais là on en a pas. Ah ouais. Combien? 3000. Juste... Attends mais c'est énorme 3000. Le coffre du chagrin c'est cher, c'est incroyable. Ah non mais c'est énorme 3000. C'est worth. Je vends chez la gothique ça non? Grâce au pavillon. Ah ça a augmenté le... C'est passé ah, de 3000 à... Ah c'est pour ça que ça vaut cher. C'est fantastique. Et les vases et tout ça se vend à qui? C'est ce que tu viens de faire là? Non, non, non. Elle, elle prend les crânes. Je pense que les vases tu vends aussi au mec qui récupère l'or. Bah t'as payé ça 20 000 le pavillon, faut le rentabiliser. Hein. Ouais. Oh, putain, si on avait un coffre pour transporter ça. Ou de l'arbin. Vous en voulez de ça? Oui. Combien ça vaut? Oh, quelle fortune! 300 balles. Mais avec le coffre de la mort, on va se faire des couilles en or avec le pavillon qu'on a. Je sais pas si ça prend en compte ça, parce que c'est que pour le collectionneur d'or et c'est pas un collectionneur d'or qui va nous le prendre. Non, je pense Allez. Pas. Ouais, t'as raison, peut-être que le pavillon marche que pour le mec. Ah, ce serait dommage. Ah, je l'ai acheté chez lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là? Ouais, un autre saphir et il restera le crâne à vendre à la demoiselle. Et on sera bon hein. T'as vendu le coffre alcoolique? Non. Ah ouais, il y a celui-là aussi, ça veut dire. Je vais le prendre. Il doit être un peu plus cher. Et vous reprenez 5000, non? Ça est bien bouffé. Eh oh, je drop des frames là. Crois que je l'ai pas vu quoi. J'en ras le cul. Et on a quand le nouveau PC? Les 2 FPS là. Je sais pas, il m'a dit je vous oublie pas, hein, ça m'intéresse, mais je suis occupé. J'ai dit d'accord, ça marche. Bon, ça va, c'est pas urgent de ouf. Non, mais ça va. Moi, ça m'intéresse, mais. Je relance lundi. Je me noie. Et enfin. Ah ouais non on a des trucs, on a des caisses de boulets aussi. Enfin des caisses à la con là. Quoi qu'on peut peut-être les garder de côté, on sait jamais. Y'a du sucre à vendre. Ah merde. Ça vaut un peu cher le sucre. Y'a un mec qui vous regarde. On l'aurait vu arriver le mec prends là. Ah non, c'est oh, c'est cher! Les crânes. Oh, tout putain, c'était bien ça! Oh. Quel plaisir! Bon, allons au Reaper. Bah, j'ai pas vendu la caisse sucrée quoi. Oh, allez, je la vends. Allez, puis tu prendras la sirène. La sirène? Ouais t'inquiète. Ah, c'est une expression. Enfin sauf parce que je sais pas où est le Reaper en fait, donc en fait attends. Si j'ai mis un point, je l'ai entouré. Qui veut du sucre? Normalement c'est sur le ponton hein, que ça veut du sucre. Il côté. A entouré le Reaper. C'est au centre de la map. Oh bah c'est pas super loin. Ça va. C'est au sud-est.
Qui veut du sucre? Je crois que c'est elle. T'en veux? Oh, ça vaut pas cher du tout. 174, putain. Ouf, la manœuvre de beau gosse. Au revoir. Ça touche même pas, putain. Salut. Au revoir. Ça m'a fait plaisir. Je dirais commencer. Ça m'a fait plaisir cette aventure. Ce début d'aventure, c'était déjà pas mal. C'est bien sud-est, hein. Ouais. Pixel. C'est moi, tu nages? Non. J'ai fait un dash sur une sirène, quoi. Je l'ai pré-shot. Ah bon, on se sent plus léger quand même. Il y a un bateau émissaire qui veut couler notre pavillon. Ah bon? Il y a un bateau Reaper niveau 5 que vous pouvez voir sur la map. Oui, je le vois. Qui peut vous voir grâce au coffre, mais aussi parce que vous êtes vous-même des émissaires. Mais et c'est qui lui? Ils vont sûrement vouloir vous faire le. Ah, ils vont nous faire le cul, hein? Ouais, je les vois. Ils sont à droite du Reaper's Hideout. Mais c'est. Et ce sont des. Ce sont des vrais mecs? Ouais, je pense. Et en fait, je les vois là comme eux ils nous voient, je pense. Eux ils doivent nous voir de la Attends, même manière. Est-ce que. On peut vendre au Reaper très vite? Je ne sais pas. Non, parce qu'on va être dans la barbe à merde. Un peu. Sachant que. Alors, je vais regarder s'il bouge, hein, mais pour l'instant ça bouge pas beaucoup. C'est mis à jour en temps réel parce que là ils bougent pas, ils sont en plein milieu de l'océan. C'est du bait? En mode allez-y, venez, venez. On vous regarde ouais, mais pas. Si ça se vend très vite chez le Reaper, il faudrait qu'ils nous attendent. Oui, enfin là pour l'instant ils peuvent toujours arriver avant nous. Hein. Ouais. Pourquoi ça va plus loin le chat? C'est bugué? Ah oui, c'est bugué. GG Streamlabs. Streamlabs ou ta connexion oh internet? Ils sont en train de faire un demi-tour, non? Non, non, parce que je vois à droite. Ah ouais, Streamlabs il va pas bien. C'est bon, il va bien. Ils sont en train de faire demi-tour, je crois. Je crois qu'ils vont nous attendre. On n'a pas le choix de toute façon. Je crois que tu peux. Ouais, alors là, c'est complexe là. Ouais, ils ont pu se canonner sur l'île, effectivement. Ils se sont mis de profil par rapport à l'île. Et ils se canonnent sur l'île pour nous attendre. C'est fort probable, je pense. Et si on coule leur navire? Ah, qui est le plus con dans l'histoire? Imagine, c'est un putain de galion. C'est un galion, à mon avis. Mais on peut toujours passer à côté de l'île et voir ce qui se passe. Ah, mais on avait un Parce coffre, que là, s'ils bougent en temps réel... On avait un coffre, en fait. Bah, mettons-leur à disposition. Voilà, c'est pour vous. On a que ça à bord, les gars. Effectivement, ils nous attendent. Hein. C'est dommage ça qu'ils nous attendent. J'aurais préféré qu'ils nous attendent pas. Comment on va faire? C'est épineux. Là il faut hein, la jouer plus fin qu'eux parce que. Bon, s'ils nous attendent, ça veut dire qu'ils s'apprêtent à ce qu'on aille devant le Reaper et ils nous tuent juste avant et prennent le coffre. Donc, oui. D'après toi, ils sont combien? Un ou deux? Deux. Donc il n'y a potentiellement que deux mecs qui sont sur le navire, Galion. Ah, ils bougent. S'ils sont quatre, c'est chaud. Hein. Genre, je pense même pas qu'il y en ait qu'un seul qui nous attend sur l'île. Même s'ils se séparent en 2-2, c'est chaud. Hein. Bah ça fait du 2 contre 2. Oui, oui, bah ouais, mais bon. On est pas. Ça fait longtemps moi, que j'ai pas combattu sur ce ah jeu. Ah oui, moi non plus. Mais pourquoi vous me dites le trident, vous avez vu la galère que c'est, faut le charger et tout, et là que je lui ai fait aucun dégât quand je l'ai chargé à fond. Est-ce qu'on... Ouvrez le coffre déjà, comment ça ouvrez le coffre? Je peux pas l'ouvrir. Oh, y a un crâne. Mais il est nul. C'est où les armes là?
Où est-ce qu'on change? Putain, où est-ce qu'on change les armes? J'ai oublié, ça m'énerve. C'est là. Ah, je les vois, je crois. Ouais, ça doit être eux, ça. Ils s'en vont. Ça peut Ils être un s'en vont. bait. Peut-être qu'il y en a deux qui attendent sur l'île. Mais là, ils s'en vont, ouais. Oui, mais je pense que pourquoi il s'en irait alors qu'on apporte directement sur. En fait, le problème, c'est que je sais pas où il est le mec qui rachète. Tu vois? Ça qui est Vous chiant. savez où il est? Sur l'île à droite ou l'île à gauche? Et il est en hauteur, en bas? Île droite, île gauche? Celle de droite. Donc celle-ci est plutôt en haut de l'île ou en bas de l'île de droite? Ou au milieu? À gauche, au... Non, à droite dans la cabane. Ouais. Ok. Ah, ils doivent nous attendre sur l'île, hein. Ça c'est. Dans la tête, au milieu de l'île. Parce que je veux bien frotter votre trident, mais je gère le temps de charger des coups. Ça pue la merde, hein. Non, c'est de la merde. Ça fait pas de dégâts. C'est là? Et puis c'est trop dur. Ici? Je vais regarder d'en haut, si je peux en voir. Je sais pas si c'est là. Ouais, ça Il est va en être. train de pivoter vers nous, le navire. D'accord. Tu vois une cabane? Ah non, je vois rien du tout. Je vois des oiseaux qui tournent, je vois de lumière rose, je comprends rien à l'île. D'ailleurs, elle est en deux parties, donc je suppose que celle qu'on voit, c'est celle du haut, donc c'est pas la bonne. Normalement, on est sur la bonne là. Ah bon? Oui. Elle est pas séparée en deux parties? La tente Il y rouge, a pas la une. grande tente rouge. Ben. De toute façon, là, faut s'arrêter, en gros. Puis je vais d'abord aller sur l'île Vas-y. et je vais voir et puis Je me jamais tiens prêt à redémarrer. Ah, attends. Une tente rouge. Il y a la tente. Bah non, il y a personne dedans. Il y a le serviteur des flammes. Faut trouver Non, tu. le mec à qui je dois l'amener. Bah il est à l'intérieur, je pense, hein. C'est lui, le serviteur de la mort. J'arrive. Avec le coffre? Oui. J'ai peur qu'on se fasse attaquer, genre, d'un Maintenant. moment à l'autre. Genre maintenant. C'est maintenant là? C'est ici? Je lui donne là? Tu dois pas la poser plutôt là, là? Ah non, ici. Bon, c'est vendu. 25? C'est tout? Tout ça pour ça? Quoi? C'est beaucoup 50? On est content ou pas là? Parce que je m'en rends pas bien compte, hein, je J'ai m'attendais à pas plus l'impression. impressionnant. J'ai pas l'impression d'être content là. Je m'attendais à être plus heureux que ça. C'est ce qui était annoncé. Ah d'accord. Ouais. Ah mais 50 ça vaut 10 000. Ah c'est pas mal quand même. C'est quoi ces stats? Peut-être. C'est un convertisseur en ligne. Sympa. Oh mon épée! Ah, t'as la même. Bon. Mais pourquoi ils nous ont pas attaqué, c'est un mystère. Bah ouais. Pourtant ils sont actifs, hein. C'est bizarre. Belle bite les frérots, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils sont sympas. Ou alors c'est louche. De toute façon, ils peuvent plus Alors rien c'est pour nous. mieux nous baiser plus tard. Peuvent plus rien nous faire pour l'instant, mais. Alors toujours est-il que on a une quête, en gros, de Ouais. base. Ouais.
Et là, elle nous indique quelle direction. Ah bah c'est toujours tout droit. Ouais bah t'es bien devant, ouais. À peu près, ouais. T'as fait à peu près. C'est un peu. Vous êtes trop fort. Ouais bah là on a vraiment bien joué quoi. On les a bien niqués. Ah ouais, hein, c'est très très bon move hein. Vraiment là, esquive, attaque. On les a pris par derrière. Non, c'était. On a été efficace. Un beau hein. Fight hein. C'est cool hein. Comme quoi hein. Sloop versus Galion, finalement rien n'est gagné. Allez. Oh, il est moins beau ce pistolet. J'ai pas de pistolet. Ils sont nuls. Moi si, mais j'ai pas. C'est de sniper que j'ai pas. Il est trop moche mon sniper. Attends. Mais j'avais un singe moi avant. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Alors, Guy Georges. Allez mon grand. Pose-toi, casse-toi. Comment on le pose? Casse-toi là. Ah. Voilà. Oh le loubar. Oh pardon. Tu as arrêté de le frapper? C'était instinctif. On a dû bien s'éloigner tout à l'heure, non? Je sais plus. On a dû faire un bon. Il y a une musique chemin. Comme si on était dans la merde. Ça ressemble à une musique de mégalodon, ça. Coucou. C'est une baleine. C'est quoi ça? C'est quoi? Mégalodon. Qu'est-ce que c'est? Tu nous laisses tranquille? Ah. Ah, il arrive là. Je vois un aileron. C'est marrant, il arrive, il fonce droit sur nous. On ne croque pas le bateau. Oh, il est gros. C'est marrant. Je vais prendre le vent, tu vois. Voilà. Ouais, oh, non, mais il y a juste à avancer, hein. Ouais, je pense qu'il va nous laisser tranquille. Si tu lui tires pas dessus, il va pas s'énerver. Tu crois que je dois pas lui tirer dessus? Non. D'accord. C'est en lui tirant dessus qu'il s'énerve. D'accord, je lui tire pas dessus. Y'a pas de problème. À gauche. Un peu à gauche, ouais. Il ne suit plus? En tout cas, sa musique est là. Ah, et maintenant qu'on est parti de ville, les autres, le galion y va. Ils avaient des trucs de fou et ils avaient peur qu'on les vole ou quoi? En fait, ils ont fait comme nous, mais ils nous ont surestimés. Genre, ils se sont dit putain, c'est des malades mentaux, les mecs, ils sont trop forts. Ils y vont direct, ça veut dire qu'ils sont trop forts. C'est ici? C'est. Ce serait-il pas ici? Je tente, attends, parce que je suis pas sûr. C'est tellement pas ici. C'est pas l'air d'être ici, hein. Y'a que cette merde là. C'est pas un truc chiant ça? Aïe! Bah disons qu'il faut lui mettre beaucoup beaucoup de dégâts, je crois. C'est pas genre si tu la tapes, ça donne. Attends, je l'essaye. Ça fait mal. Ça marche comme ça ou pas? J'ai mal. Oui, mais si on mange une banane après. Je vais manger. Ah! Bah tu vois, je suis plus content 1000. De l'avoir fait. Ah ouais? Eh bah, ouais. Bah, merci. T'approches pas de ça. Bah non, moi je suis content de m'être approché de ça là. Bah ouais. Au final, ça faisait pas beaucoup de dégâts. Et voilà. Ah, attends. Y a un autre mec à tuer qui va nous donner beaucoup. Enfin beaucoup. Qui va nous donner un truc du moins. J'arrive. Oh, le Captain Spoo. Bon, tu veux la contagie. Oh mais merde. Oh putain. Le pauvre, il a perdu sa tête. Ah, t'as vu, il y a des bourses d'or. Ordre des squelettes, bien sûr. Je sais pas ce que c'est l'ordre des squelettes. Ah, c'est quoi ça? Une caisse de stockage, il y a quoi dedans? De la bouffe. Jamais y arriver. Peut-on faire notre mission quand même? Alors, c'est. Elle est pas très
précise, hein, cette. Oh, il y a un navire qui vient vers nous, hein. Ah, yo les gars! Alors, je vais prendre des munitions. Ils vont nous couler, on va redémarrer. Tu sais quoi, on va redémarrer parce que c'est. Ah non, non, c'est un. C'est un. Bon, enfin, let's go, mais c'est un navire pirate, ça. Mais je sais pas pourquoi il fonce vers nous. Et on a rien fait, laissez-nous tranquille. Qu'est-ce qu'il veut? Arrêtez, arrêtez, on a rien fait. C'est parce qu'on a touché. Tracé, je pense. Parce qu'on a touché au capitaine Spoo. Ouvrez le coffre sur le pont. T'as déjà vu un mec passer entre les deux rochers à gauche? Eh, j'ai pris de l'or. Ah ouais, merci. Man. Moi aussi. Attends, mais. Et ben voilà, je peux placer des trucs là. Il est où le crâne? Attends, t'avais pas chopé un crâne? Ah si, là. Et ben voilà. Tu disais on peut pas transporter tout d'un coup, ben voilà. Là un coffre rempli de crâne. Et ben voilà. On peut pas rajouter encore un autre truc devant. Ah non, je peux pas. Attends, je laisse ça là parce que ça sert à rien. Comment ça, il y a des trucs devant? Ah oui. Là. Et le bateau pirate derrière nous, tu. M'en fous. Ok. Ah, juste un coffre. Et du coup, c'est la première fois que je voyais ça, mais j'ai ouvert le coffre et il y avait de l'or dans le fond que j'ai pu récupérer. Pour une fois, c'est logique, genre. Eh bah, c'est bien ça. Il y avait des pièces d'or. Regarde, je l'ouvre là et là, il y a. Allez, nique ta mère. Allez, hop. C'est vraiment rien. Pas un peso. Que dalle, nada, yet. Alors, la mission. Putain. Quoi, la petite île à droite là? Qu'est-ce qu'il me veut là? Oh merde. Je vais voir, je vais te dire où c'est moi. C'est casse-couille, hein. Ah attends, on a plein de trucs là maintenant. Ah oui, on a des quêtes qu'ils ont lâchées, les cons. Si c'est ce petit bout d'île de merde, c'est quand même. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce petit bout d'île. Y'a rien de spécial dessus. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Y'a des monstres qui tapent des pointes dessus. Oui. Ah si, il y a des trucs à récupérer quand même. Aïe aïe aïe. Oh la caisse de pierres précieuses. Oh. Oh la caisse de pierres précieuses. Oh la belle. Oh la salope. Attention le capitaine. C'est pour moi. Je suis parti avec ma caisse de pierres précieuses. Ah, tu vas me. Voilà. C'est peut-être parce que j'arrête pas de tuer leur capitaine depuis tout à l'heure qu'on se fait poursuivre. Peut-être qu'ils en auront le cul à force. Non, vas-y, ils sont grave OP eux. Hein. Ils ont des monstres. Enfin, ils ont des monstres qui ont des pouvoirs magiques et électriques et tout. Aïe! Saloperie. Bon, allez, ça va chier. Y'en a un qui veut chercher la merde là? T'as de la chance toi. Saloperie. Voilà. Bon alors. Ah bah le gros là, je m'en occupe. Mais il me dit. Si la clé elle vibre pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. C'est pratique ton truc là. Ça fait du bien, hein. C'est pas ici, bah, je hein. Peux pas le récupérer, ça. C'est marrant. Saphir de sirène. Tiens, tu peux récupérer le bâtonnet Findus là? Je prends. Bah c'est pas ici. Donc on est pas sur la. Mais comment ça de merde. M'emmerder. Ça m'emmerde. Ah oui, le galion de pirate est juste derrière nous.
Qu'est-ce qu'il fait, le gars de pirate? Il s'est arrêté. Il s'est arrêté sur l'aire d'autoroute là-bas là, je sais pas ce qu'il fait. Un sandwich chaud des beaux poulets tandoori, un duo saumon et une canette de coca fraîche. Le repas de roi, putain. Putain, ils vont se énorme. Régaler. Ben... Ça nous emmène où là? Petit paquet de chips. Ouais, non, c'est tout droit. Je suis pas très chips. Non, mais ça me déplaît pas d'en manger. Bien sûr. Mais... Petites chips ondulées. Mais moi, mes gâteaux apéritifs préférés, ce sont des croustilles avec les cacahuètes dedans là. Je sais pas si tu vois ce que je veux parler. Ah, c'est soufflé, c'est. Ouais, c'est soufflé, ouais. Ouais. Ça j'aime bien. Oui, c'est délicieux ça. Oh, je suis d'accord avec toi. Comment ça s'appelle déjà? C'est soufflé, c'est un goût de cacahuète. J'aurais dit des croustilles de Belin. Mais je suis pas sûr. Même ça porte un nom. Ah non, je parlais pas des Twinuts, vous voyez? Non. Je vois ce que c'est les curly. Moi je parle des curly, moi. Voilà, c'est les curly pour moi. Alors, je parle des curly? Pas des curly. Attends. Ah bah tu me dégoûtes alors. Non, mais je parle d'autre chose. Mais les curly, y'a pas de cacahuètes. Bah si, les curly, c'est un goût cacahuète, c'est soufflé. Oui, c'est un goût, c'est mais... C'est un petit boudin. Attends, vous dites... Tu parles de quoi, toi, alors? Vous dites des crack-nuts. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'il sait même pas, les crack-nuts. Apéritif, soufflé, cacahuète. Pff, comment je vais trouver ça, moi? Bah ça va être des curly, hein. Et regarde autre. C'est des croustilles de Belin. Attends. Mais c'est pas vraiment des curly. Croustilles de Belin. Qu'est-ce que c'est? Ça j'aime énormément. Oh, c'est... Non mais c'est ça. C'est juste que c'est plus épais que des curly. Je préfère les curly. Les croustilles de Belin, c'est plus compact. Ouais, c'est un peu plus ça résiste un peu plus, ouais. 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 Ah là, tu vois, moi je serais plus curly. Plus léger, plus doux. Attends, faut que je regarde les curly, mais... parce que maintenant j'ai un doute. Bon, on se rejoint sur le goût. C'est la texture, je préfère. Ah oui, non, c'est très bon les curly, c'est juste. C'est... Disons que les croustilles à l'intérieur c'est un peu plus creux, un peu plus. Les curly c'est plus régulier à l'intérieur, mais c'est bon. C'est plus rempli. On est où là? C'est bon? On a le droit c'est, à c'est faire notre quête de droite. C'est l'île de droite, okay. Va à droite. Boulder. Par contre les Twinus c'est très bon aussi. Je connais pas. Après je suis pas non plus un grand fan de biscuits apéro, c'est pas non plus... Moi j'aime bien les Monster Munch quand même. Ouais c'est bon. Bon je te laisse trouver le trésor. T'en es au moins un. Ouais. Bah c'est là. Oh des larves. Comment il fait pour pas trouver le trésor mais trouver des larves? Aïe. Qui? Salopa. Oh non, il va me tuer. Attends, faut que je mange. Non mais comment c'est possible de s'être coincé ici? Comment c'est possible le jeu là? Je suis coincé. Comment c'est possible que je me sois coincé ici? Oh dommage, dans la fougère. Non mais j'ai même pas sauté, je marchais tranquillement. Et je suis coincé. Attends, je reviens, je vais faire la quête. Je peux pas me tuer? Mais c'est une blague. Comment c'est possible que le jeu me bloque? Allez. Objet à lancer. Hop, boule de feu, elle est dans ta mère. Putain, c'est comme si j'étais quasi sûr que ça servait à rien. D'avoir la quatrième. Ouais, ça y ressemble vachement quand même. Aïe. Je m'en vais. J'offre mon âme au pasteur, avec grand plaisir. On va un peu vers lui là.
Ouais, rapproche-toi comme ça, c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Vas-y. Ah. Ouvre-toi. Bah alors là, c'est même pas moi qui l'ai fait. C'est... Maintenant. D'accord. Tu fais quoi avec le pasteur? Il m'a dit de m'asseoir sur ses genoux pendant qu'il me récitait quelques passages de la Bible. Ça va bien se passer alors, c'est bon. Crescente, crescente. C'est là. Donc, sud-ouest. À toi de récupérer tout ce qu'il y avait à récupérer sur cette île. Je crois. Je Et pense du que ça coup, a cette carte, quand elle est vraiment servi complétée. à rien. On y Ah, mais était, au on moins là, était à Lille, hein. on n'a plus aucun doute maintenant Ah, sur là, l'île. y a zéro doute, là. C'est aussi ça, d'être sûr. Ça, le bonheur, ouais. Et du coup, ah oui, c'est tout là-bas. Hein. Bah, direction sud-ouest. Ça brillait sur le gros corps du monstre. Ça drop des trucs, les... Ah oui! Les gros monstres ils drop des choses. Et Non! puis ils drop pas des trucs que de merde hein. C'est du gros saphir Eh, si pourquoi c'est tu une demandes info ça? chat, parce que... Attends, je tourne autour de l'île, j'arrive. Parce qu'en gros, il y en a un qui s'est fait tuer par un squelette. Et... Il est possible que... Que ça ait droppé quelque chose. Non, pas les gros. Ah, moi je suis formel hein. Oh là, mais il y a du monde ici! C'était où? C'était là. Ils sont dans un cocon de protection, qu'est-ce que c'est que cette Ouais, bah il histoire? sait rien, il a rien droppé, hein. Vous foutez de ma gueule, hein, un peu quand même. Ouais, vous foutez de ma gueule. Allez, sud-ouest. Et comment ça se fait qu'ils sont dans un genre de chrysalide là? Oh, réveille-toi! Ah, c'est bon. Parce qu'il triche. Oh bah il est mort. Attends, il a peut-être droppé cette fois-ci lui. Oui, il a droppé. C'est deg, hein. T'envoies des boules électriques dans le cul là, j'espère qu'il va te toucher. Vas-y, touche, touche! Oh, touche! Il vise très très mal, hein. Et voilà! Le boulot Hop est bien fait. là, on y Hop, direction va. sud-ouest. On esquive le gros rocher. Le vent contre nous. Nickel. Ah Je merde, t'as vu reviens. l'heure? Quoi? Ouais, j'ai vu. Ouais. Il est Ouais. l'heure d'aller chercher une compote. Je suppose. Moi aussi j'ai faim, je reviens. Alors, qu'est-ce qu'on a en mer? Ah, pomme vanille. En voilà une bien bonne idée. On est mort? Bon, les Non. gars, à 22h55, on lui dit qu'il a loupé un coffre. Allez, les gars, et cette fois-ci, ça va être vraiment marrant puisqu'on va réussir. Raté. Vraiment créer un Discord parallèle pour réussir. Hein. Raté, faut pas que vous fassiez vos plans ici. Sinon, ça va.
désolé, j'ai pris des gâteaux apéritifs. C'est lesquels? C'est une sous-marque de Pringles. Ça fait toujours plaisir. Bon. On est où? On arrive. Pas trop longtemps. Est-ce que c'est possible qu'une marque fasse des compotes pour adultes en termes de contenance? Il veut son gros pot de compote. Non mais parce que c'est super pratique. Tu gobes ça, c'est terminé, mais en termes de contenance, c'est du foutage de gueule. Faites quelque chose. Il y a 90 grammes, sérieusement. Donnez 180. Moi les pompotes, mais... ça a changé ma vie. Hein. Maintenant, quand j'ai un truc à faire et que j'ai pas envie de manger parce que j'ai peur d'avoir la chiasse, je prends une pomme pote. Mais c'est de la pomme pote, ça... simple, efficace, et ça tempo, délicieuse. Ça tempo de ouf. C'est du sucre, ça permet de pas tomber dans les pommes parce qu'on a rien dans le corps. C'est génial. Mais vraiment, le problème, c'est la contenance. 90 grammes, c'est pas assez. Oui, des fois j'en prends deux. Il y a pas de marque qui font des trucs comme ça à boire rapidement, mais pour adultes. Vérifie bateau. Vous êtes parano, hein. Il va très bien ce bateau. En revanche, le rocher qu'on va se taper là, il va très bien aussi. Hein. Tu peux aller un peu plus à gauche. C'est un peu compliqué là. S'en est fallu peu. Bah. Il y a des pots de compote, comme des pots en sauce. Je sais, est-ce que t'as compris la problématique? Elle va dans la rue avec ton pot de compote. Mais voilà, tu comprends la problématique ou pas? Il me faut un truc comme ça, j'ouvre, je mange, c'est fini, je jette. Je te vois. Donc trop un truc où pot. J'ai pas besoin du stencil, un truc qui paraît super gros. Ah, attends, il y a des trucs à gauche. Ah. Ouais, jette l'encre. Je peux te harponner si tu veux. Ah. Vas-y. Non, tu peux pas. Non, je peux pas. Il y a un taux d'explosif, faut peut-être qu'on le prenne et qu'on le mette en haut du mât, ça peut être pratique si on se fait poursuivre par des mecs. Ok. C'était quoi? C'est une caisse de sucre raffiné. Mais s'il y a un sniper qui tire sur le baril, ça fait quoi? Ouais, faut qu'il le touche hein, s'il est en haut du mât. Mais. Ouais. S'il le touche. Je viens de dire. Faut vraiment qu'il le touche quoi. S'il est en haut du mât, les dégâts seront moindres que s'il est dans la cale ou sur le pont. Les gens disent qu'il va tomber. C'est vrai ou pas? Comment ça il va tomber? Je sais pas. Comment ça il va tomber? Parce que tu l'as mis en haut du mât et il va tomber. Le mât tombe. Ah, ah oui, non mais s'il explose, oui. Je croyais que le baril allait tomber du mât. Genre il va glisser. À droite. Sud-ouest. Ouais, cette île-là, là. Encore. Attends, celle de droite? Encore à droite, ouais. Celle à droite. La gueule, je rigole, ouais, je rigole. C'est juste là, c'est... Ah, t'inquiète, pas de problème. Mon pote. C'est quoi, tous ces coffres? Qu'est-ce que... Mais c'est du sucre. Oui, c'est du sucre. Enfin, il y en a qu'un seul. Ça vaut au moins 190 balles, ça. Hein. Ouais, c'est vraiment de la merde. Non, mais il y a peut-être plus de sucre que dans celle que t'as rapporté la première fois. Ah, on n'a pas regardé si c'était du côté du ponton qu'il fallait aller. Est-ce que c'est du côté du ponton? Je sais pas, mais il y a un galion à l'avant-poste. Hein. D'accord, on va faire ça rapidement alors, non? Tu me dis pour quand je jette et je jette. Attends, je peux faire ça. Regarde.
Allez, genre au dernier moment je tu vois genre ouais vas-y là c'est bon là. Vas-y là. Ouais, là il y a un petit truc qui brille là. Ouais bah tu crois pas que je me dirige vers lui? Alors moi je vais regarder où c'est le et bah c'est pas côté ponton, ça c'est marrant tiens. Qu'est-ce qu'il fout Guy Georges sur la plage? Mais Guy Georges? C'est alors pas possible ce con là. Oh merde, mais non, mais il nous emmerde. Y'a un truc qui brille là. Mais y'a plein de choses qui brillent. Prends tout ce qui brille. Je prends. T'es une gold digger? Ouais. Ouais, j'aime ça là. Pourtant, ça vaut rien. C'est vraiment juste parce que ça brille. Oh, un ananas! Oh putain. Quoi? Pourquoi? On s'en branle? Non, mais je sais pas si ça vaut quelque chose. Un ananas! Peut-être. En termes de valeur nutritionnelle. Ah, ça vaut quelque chose. Ça nourrit vraiment. Hein. C'est très très bon. T'as récupéré le trésor? Non. Et toi? Non, j'ai pas cherché où il était pour l'instant, je récupère les trucs sur la plage. D'accord. Bah il est loin. Alors, d'après moi, ça fait longtemps que j'ai pas recherché un trésor, mais... Ah, je sais pas comment on est par rapport à l'île. Est-ce que là c'est le bout du croissant de l'île? Donc du coup ça veut dire que si ça c'est le bout du croissant de l'île, et que ça c'est le gros rocher qui est ici. Ça veut dire que là où je suis, ce serait là. Bon, j'ai pas perdu la main. J'étais en train d'arriver, je cherchais. C'est dommage. Oh la vache! Pardon! C'est toi? Non, c'est un mec, c'est en gros. C'est vraiment une merde, gros... va me relever! En gros, va me relever! Oh, tu veux... t'es en train de décoller. Attention! Putain! En gros. Oui, il y avait un mec avec un bas explosif qui était certainement dans mon dos, et toi t'as rien trouvé de mieux à faire que de lui tirer dessus alors que j'étais à 2 mètres. Alors, pas exactement. Tous les éléments sont là, mais l'histoire ne s'est pas passée comme ça. En gros, il y avait un bas explosif à côté d'un squelette, et je me suis dit, pourquoi pas tirer sur le tonneau puisque ça va tuer le squelette. Après, j'ai vu que t'étais pas loin, mais je me suis dit, il y a une chance pour qu'il survive. Tu vois, j'ai quand même fait attention à me demander si t'allais survivre. C'est bien. Tu sais qu'il y a encore plein de trucs à récupérer sur cette maudite île. Oh, qu'est-ce que vous faites là, la mauvaise surprise? Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Attends, j'ouvre le coffre, il y a quoi dedans? Oh, de l'or. Et la clé de Kraken Falls. Tu sais que il y a un vrai problème avec ce galion qui nous suit. Hein. C'est-à-dire? Ce galion qui est à l'avant-poste et qui a un coffre de la mort sur lui là. Est-ce que ah, tu vois, s'ils nous suivent en se disant faites votre quête les petits enculés et qu'ils nous prennent le trésor à la fin, ça fait quoi? Bah ça fait qu'ils nous volent absolument tout. Ouais, je me posais la question à ce niveau-là. Mais, étant donné qu'on a un baril explosif, s'ils nous suivent de trop près, on peut tenter une mission Bella Ciao. Ouais. Ils sont pas de coffre de la mort, ils sont juste émissaires level max. Ouais, m'en fous. Donc là, le truc, là c'est que... dedans, il y a la clé. Hein. Ici, je la pose là, la clé. Alors attends, je regarde. Merde. Là. Attends, à tous les coups, t'as dû poser des trucs qui ont rien à foutre ici. Ouais. Là, non. Là, non. Là, là, où ça? Non mais elle est là, elle est devant toi. Ah, c'est une clé, ça. Une inscription. Le requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers, sous la grande épine rocheuse de l'île. Quoi?
quoi? J'ai rien compris. Je baisse sa mère, qu'est-ce qu'il raconte? Le requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers, sous la grande épine rocheuse de l'île. Ah, attends, on est sur la bonne île? La grande épine rocheuse. Y a pas trop d'épines rocheuses là. Bah. Ah si. Est-ce que c'est. Si, c'est ça, c'est le truc en plein milieu? Ouais. Mais avec tout ce qu'on a ici. Ça parle de requins après. Oui. Les gens ils disent Krakenfall. C'est possible. Bah, c'est la clé de Krakenfall. Ah, ça y est, peut-être un. D'accord. Et bah, allons à Krakenfall. Tu veux pas qu'on aille à un petit avant-poste vite fait quand même? Si, de toute façon c'est très loin donc on va passer par un avant-poste. Là on a un avant-poste en bas à droite, mais c'est là où se trouvent nos amis. Donc non, on va trouver un autre sur le chemin, je pense. Ouais, ouais. Bah, je crois que on va pas y aller. Ils sont chiants, ils sont un peu sur notre chemin, c'est super chiant. Où Krakenfall? C'est tout en bas à droite de la map. Bon bah, vas-y, vas-y là, plein sud. On prend un avant-poste sur le chemin. Plein sud et on verra plus tard. Kraken Falls. Tu l'as entouré? Ouais. Je crois. Et c'est en bas à droite. Ah oui, c'est vraiment loin, ok. Ouais, c'est loin. Et donc, un avant-poste qui serait sur le chemin. Bah, déjà, je veux les dépasser eux et après on voit, tu vois. Parce que là, ils me saoulent. Ouais. Un avant-poste. Là, ils me stressent un peu. Ah bah. Y'en a pas de dingue des avant-postes en fait. Bah, celui où ils sont aura été parfait. Mais bon, dommage. Ouais. Y'a l'avant-poste Plunder. Ouais. C'est ce que j'avais vu, je crois. Putain, c'est loin. Hein. C'est loin, mais c'est peut-être pas trop bas. J'ai fait des beaux cercles. Qui te t'as fini de chier sur ma carte? Non, mais c'est bon, ça se regarde, ça veut dire que ça faut aller sud-est. Et ensuite, on ira. Ah ouais, faudra remonter après. Oh, c'est chiant. De toute façon, s'ils nous attaquent, on peut toujours leur parler pour leur dire de ne pas le faire. Bien sûr, on peut le discuter avec eux et s'ils ont n'importe quelle question, on est prêt à répondre. Vu que ce sera des abonnés et qu'ils adoreront avoir des réponses. Les abonnés, ça aime la FAQ, non? Les FAQ, ça, attends, ils adorent ça. Ils sont où là? Ils sont là. Toute voile remontée. Bon. C'est bon signe. Ils sont en train de faire leurs achats. On passe vraiment juste à côté d'eux. Oh, ça non. Montre qu'on a rien à se reprocher. On peut voir ça comme ça. Parce que là, je peux te dire que regarde, quand tu vois les coffres qu'on ouvre là, c'est pas mal. Hein. C'est quoi cette musique là? Il y a eu une sacrée musique. Qu'est-ce qu'ils volent? C'est un drapeau de pirate que je vois là? Qu'est-ce que c'est que ça? Musique car voile au vent. Ah oui, d'accord. Non, bah c'est ok hein. Non, ils ont l'air pacifiques. Cool. Ouais, c'est des mecs supra cool, j'ai vu à travers le... J'ai vu. Faut pas faire gaffe aux drapeaux qui flottent tout en haut de leur mât, ça n'a rien à voir. Ça veut rien dire en vrai. C'est complètement con, c'est du trolling. Ils sont super sympas. C'est comme des rugbymen, ça fait peur mais ils sont tous sympas. Ah putain, j'ai limite envie d'aller les voir, ils ont l'air trop sympas. Ouais. Ouais. Écoutez. Ils peuvent pas être dans un mind game aussi complet. Vous êtes sympa. Ils peuvent pas être là en mode vas-y viens on se met à AFK à cet avant-poste pour faire croire qu'on les suit pas, genre c'est pas possible. Ils peuvent pas être à ce point là ils peuvent pas ne pas se laver à ce point là quoi, c'est pas possible. J'y crois pas. La caisse de sucre. Et ça c'est quoi là dedans? C'est une caisse de stockage basique. Ouais. De stockage, je vais les foutre là. Ouais, comme ça, s'ils veulent les prendre, au moins, voilà, y a pas de galère. Au moins, c'est là, tu vois, on va pas se faire la chier. Gueule. Voilà, pareil. Ça se revend pas. Hein. Ouais,
mets les trucs là. Non mais parce que après on se retrouve perdu parce que tu fous ça n'importe où. Non mais t'as raison. Et on repart en... on repart et tu fais oh bah merde alors on a oublié de vendre un totem. Quoi? Ah y a un rocher en face de nous. Ouais, ça passe pas ça va. Je reconnais, ça passe pas. Ça va frotter là. Oh, c'était le frottement le plus doux. Oh, c'était vraiment mou. Oh là là, c'est une guimauve. Ouais, donc est-ce que... Non, mais moi... oublié de vendre un coffre. Ouais, alors moi j'ai une question. Est-ce que sur... Tu sais, les trésors de loin, ça brille. Du coup là, notre bateau, il brille ou pas quand tu fais ça? Non. Non. Impossible. Jamais. Là, rien qui brille sur notre pont, là. C'est ça? Non, rien, rien. Non, y a rien. Ça brille pas, là. Nada. Ouais. Niet. Non, mais non, j'imagine que non. Que dalle. On n'est pas un putain de gros truc qui brille aux yeux de tout le monde. Il serait vrai... C'est là que les gens se diraient, c'est un bait évident. Leur bateau brille. Ils doivent être trop forts. Les ouais, ils sont trop forts. Ça doit que c'est quelque chose. Oui, éteignez les lanternes. Bon, bah j'éteins les lanternes, voilà. J'aime pas où elles sont toutes les lanternes. Oui, il y en a un peu partout. C'est bon, j'ai soufflé des bougies. Ouais. Tu peux éteindre les trucs qui brillent sur le pont. Et souffle dessus. On va les revendre, les trucs qui brillent. Souffle sur les. Personne ne cherche la merde. Tu sais quoi, je vais en haut du mât. Je vais en haut du mât, je guette. Non mais vous vous faites des idées le chat, ils ont pas bougé les mecs à l'avant-poste. On aurait même pu aller vendre devant eux qui nous auraient rien dit. Regarde-les, je les vois là-bas, ils bougent pas d'un poil. Ils ont baissé les voiles mais ils bougent pas d'un poil. Ils ont baissé les voiles? Ouais, ils ont baissé les voiles, mais ils ont pas bougé. C'est bon signe. Ah, oiseau de malheur avec des... Oh, des trucs qui brillent. Oh, ça brille en rouge, ça brille en blanc. Tu veux que je mette l'encre à droite, quand l'encre, maintenant. J'y vais. Oh là, il y a du... Aïe. Oh, c'est un saphir, ça. Attends, ça d'abord, c'est quoi, ça? Ouais. Waouh. Il n'y avait pas d'autres trucs qui brillaient? Mais pourquoi je suis venu? Bah regarde, l'intérieur des tonneaux, parfois il y a des poissons qui valent super cher. Oh, du cochon! Tu vois pas? C'est pas des poissons. Et même. De la poule! Et des boulets chaînés. Oh ouais. Oh ouais, non mais... Hey, oh. Y a du truc rare là. Hop. J'adore. J'en veux plus. Je vais aller vérifier que tout se passe bien. Ah, quelqu'un me dit, de loin, tous les bateaux, on les voit le baisser. Ou alors c'est une expression genre bretonne, je sais pas, mais... C'est intéressant, ça. Intéressant ce que vous dites, des fois. Je ne vois plus le navire. Il y a un harpon. Ah. Je sais, mais faut se placer et tout. Je ne le vois plus. Ouais, dis-leur qu'on est là. Parce que je crois qu'ils me trouvent plus. On n'a pas de pavillon? Si, on a un pavillon. Attends. Non, on n'en a pas. Un pavillon qui fait genre on est cool. Ça, c'est cool. Le trajet est trop long. On est ras le cul. T'as qu'à prendre le vent, connard. Et où le vent? Ah, je vois leur galion et aucun mouvement. Non, je suis pas inquiet, hein. Non, jamais été inquiet. Et voilà, inattaquable.
Comment on fait des émotes là? Ouais, c'est vraiment que le trajet est long. Je vais faire des émotes. W, ça marche pas. Maintien W. Rocher, droit devant, gauche mon capitaine. Gauche. Marche pas W. C'est chiant. Ça va taper. Non, évidemment que non, ça tape okay. pas. Ok, droite. Pas la première fois que je navigue dans ces mers hein. Alors je sais pas trop où c'est l'avant-poste. Toujours est-il que tu peux prendre le vent normalement. Oi 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 oi. Le vent. Ah. Le vent. Ah, on arrive bientôt à l'avant-poste quand même. Ouais, ça va vite quand on prend le vent. Tout ça pour qu'en 3 heures de live, on rembourse pas tout ce qu'on a acheté au tout début. C'est scandaleux, hein, vraiment. Je savais pas que quand t'avais ton épée et que tu faisais clic droit pour faire une parade, quand tu faisais espace, ça faisait des petits sauts vers le côté, vers l'arrière. Je savais pas. J'aurais peut-être pas dû tester quand j'étais en haut du ah, bas. Rip. Je savais pas non plus. Je pense pas que ce soit très utilisé. Je pense qu'on vient de le découvrir. On est fort. Vous le saviez, vous ? L'avant-poste là, gros pic. Ouais. Alors la caisse de stockage peut y avoir là-dedans. Ah j'ai oublié qu'on pouvait regarder d'ici, je suis un connard. Ah oui c'est vrai qu'il y avait une technique. Ouais. C'est quoi le squelette chelou? Un peu de respect, voilà. C'est qui Georges? Viens là mon Guy. Mets-toi devant. Voilà. Oh, c'est quoi là-bas? C'est un navire. Non. Mais il n'est pas à l'avant-poste. Ah. Mais il n'est pas loin. C'est oh. un brigantin. Oh. Qui va vite. Mais qui ne va pas oh. à l'avant-poste pour l'instant. Ah. Tout ce qu'on a peut se revendre assez vite. Va un peu plus tout droit. Un peu plus à gauche du coup. Parce que je crois que c'est la tente. Elle est où la tente du vieux crouton? Elle doit être là. Ah, je sais pas où exactement. Attention, prépare-toi à lâcher l'ancre. Maintenant. Et là, c'est un jeu de rapidité. Donc, on prend un coffre. Hop. C'est parti. Est-ce qu'il récupère le tout? Ou on doit vendre chaque objet séparément? Vous voulez? Vous voulez pas? Vous voulez pas? J'ouvre. Vous voulez? Tenez. Ça, c'est que des vous voulez ça crânes de merde. Tenez. Ah le crâne, merde, le crâne, le crâne, le crâne. Ruby, c'est qui? C'est pour vous? Hop, crâne. Vous voulez un ruby? Je regarde même pas l'argent qu'on fait. Hein. 4000.
C'est beaucoup. Qu'est-ce qui se vend 4000 là? C'est pas le rubis? Rubis de sirène, tu lui as vendu un truc comme ça ou pas? Ouais, j'ai vendu un rubis. 4000? C'est trop pour être. Ça doit être illégal. Ça se déclare, ça, je pense. C'est trop. On est sur l'île de Malte, tank. Ah, c'est bon, ça se déclare pas. Le coffre vide se vend. Oui, mais à qui? Et à quel prix? On dirait une publicité. Oh, 2815, la caisse de pierres précieuses là. Mmh, yam. Pas mal. Ne vendez pas la clé surtout. Ah bah j'espère que l'un va vendre la clé. Ah, je l'ai vendu déjà. J'en ai tiré au moins 50 pièces. Ah bah écoutez, c'est pas pour rien qu'on est aussi riche maintenant, j'ai fait les bons choix. Apparemment les coffres vides se vendent à bon prix. Eh ben on va les vendre. Chez le chercheur de trésors. Le chercheur de trésors? Moi je suis à la négociante. Oui. Tenez. Émeraude. Tenez. Il y a un crâne. C'est pas elle qui veut des coffres. Si, elle veut des coffres. 320. Bon, vas-y, vends les autres. J'ai encore des trucs à ramener, moi. C'est bof. Quoi, on a tout ramené? Et les caisses sucrées alors? Elles sont où? Ah mais depuis le début je peux les vendre à lui, putain de merde. Le collectionneur, je prends les coffres devant lui, il me dit rien. Dis-moi que t'en veux. Attends, les caisses de boulets de canon, on peut les vendre, non? Bah on les a achetées au début, du coup c'est con mais... Non mais y en a plusieurs. Putain mais c'est vrai qu'on les a achetées pour 3000... Pour 6000. Ouais, on a jamais dû les acheter, putain. On est con. Elle veut bien me le reprendre celui-là? Oh, y a du. Y en a du machin. Hein. À qui je vends la caisse de boulets de canon? Caisse de fruits 50 sur 50. Mais je vends ça. Faut que je la vende pleine. Caisse de fruits, je vends. Bah ouais, tu vends, mais faut qu'elle soit pleine pour la vendre, je crois, non? Elle est pleine. Combien pour 50 fruits? Combien? 1037, pas mal. Ouais, on s'y retrouve pas quand même. Bon, attends, on avait acheté combien la caisse de boulets de canon? Je vais regarder à la revente, combien on s'en fait. 6000, je crois. C'est hyper cher. On s'est fait baiser, hein. L'arnaque du siècle. Ouais, non, mais de ouf, on a pris cher là. Et là, attends, j'en ai revendu une pleine. 1000! Oh non. Là c'était une PSA 2 hein, la caisse. Plus jamais je les achète. Il y en a tellement partout. Il nous reste la caisse de stockage, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la caisse de stockage, mais qu'est-ce qu'on s'en branle. Par contre, t'as revendu la caisse de planche? Ouais. Ah ouais, t'en as rien à foutre quoi. Rien à carrer là-bas. En gros, rien à foutre. Mais on va la finir cette putain de mission. J'ai l'impression qu'on trouve toujours des trucs à faire. On n'y a pas touché hein. Allez, c'est bon, on y va maintenant. Bordel, on s'en va. En plus, c'est loin. Eh, je vois un petit sloot. C'est à l'est qu'on doit aller. Il y a de l'activité en tout cas hein. Je sais pas. Vas-y, je remonte la voile. Allons à l'est. Il y a beaucoup plus de navires hein, de ce côté-ci. Il y a un navire d'ailleurs, il a plein de couleurs de light différentes. On dirait qu'il fait la quête où il faut avoir plein de... Ah, ce serait marrant de les en empêcher. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais... Là, je me dis, bon, c'est un sloot, il est tout seul. Vous voulez qu'on détruise un bateau?
Il est Ça serait où? pas quand même. Il est Ouais, juste à oh! gauche, quoi. Vraiment, il est Allez, juste à go à gauche. gauche, go à gauche! C'est un Mais navire si on cherche la squelette. merde avec. Non, non, c'est un comme nous et il a une seule voile. On a des boulets là, un peu chiant. Vous êtes sûr que c'est un truc squelette avec une seule voile et c'est pas censé être des galéons? C'est un navire fantôme. Ah. Bon. Ouais, mais il a qu'une seule voile, c'est normal? No fun. Fun interdit. Oui, squelette. Mais des bateaux squelettes, c'est pas censé être des galions? Non, il y en a qui sont petits. Ah bah je savais pas. Il y a des sloops squelettes. Bah dis donc, on n'a pas joué au jeu depuis un bon moment. Hein. Ça n'existait pas de mon temps, ça. Bon, en tout cas, il y avait vraiment un autre navire qui était pas loin de nous. Celui-là, c'était pas un truc squelette. Il avait des lumières comme nous allumées, normal. Et d'ailleurs, c'est quoi? Non, c'est bon. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Là, là, Ah bah c'est à toi de regarder la carte, moi je regarde s'il y a des navires aux alentours. je sais pas où. Il le fait sur Ah! l'hymne national américain. N'en reste alors! Mais pas trop non plus. Ça marche. Donc dans ce cas-là c'est nord-nord-est. Plutôt est-nord-est. D'accord. Je connais rien, la navigation. C'était plus facile à dire. Est. Ouais. J'ai envie plutôt de taper un. Bah un double cheese, moi aussi. Un double cheat. Non, voilà, comme ça là. Là, je suis bien là. Là, je me sens bien. On fonce dans une tempête, hein. Là, j'ai envie de m'enculer un gigatacos, là. T'as vu la vidéo de Kemar, toi? Il parle exactement en ces termes. Et en plus, il parle d'un double cheese, je crois. Alors. Je pense que tu trolles. Ah non! Quoi? Bah, je croyais qu'il avait arrêté de faire des vidéos. Oh, mais attends, il y a 3 jours, il y a un mois. Non, je troll pas, il a sorti une vidéo aujourd'hui. Et du coup, c'était celle d'aujourd'hui où il disait qu'il s'enculait un truc. Du coup, je me suis dit, bah. C'est curieux Attends. cette coïncidence. Et à tous les coups. Parce que moi, j'ai une théorie sur Kemar, donc je vais regarder vite fait un truc. Ah, mais j'ai pas le son. Mais c'est pas grave, ma théorie est peut-être invalidée. J'ai pas le son, mais de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est ça. En fait, j'ai une théorie qui est que il en a absolument plus rien à foutre de YouTube, ni de en général le cercle influence, mais qu'il a besoin de faire du bif de temps en temps, et que du coup, je pense qu'il allume sa cam et il poste une vidéo pas travaillée, histoire de renflouer un tout petit peu. Oh bah oui, il s'en branle, ce qu'il poste en ce moment, il s'en branle. Enfin, je pense. Ouais, mais il y a une île. C'est ici, non? Non, je crois pas. Top, parce qu'en fait, en face de nous, je dis ça parce qu'il y a un navire. Ah. Ouais. Parce que non, c'est pas ici. Ça faisait longtemps ça. Non. Eh non! Touchez pas parce qu'on a un baril d'explosifs en haut, hein. Ah ouais, évitez. Oh, ils l'ont visé, t'as vu? Attention! Yo! Ah, ils sont bons quand même, Oh. hein. Putain, c'est bien joué. J'ai envie de me Il a laisser quand même toucher, pas quoi. rien d'autre. Ils sont forts, non, reste. Trésor! Comment tu Flemme! t'appelles? Flemme, mais Non, j'y pas flemme. vais! Pas flemme, pas flemme. Là, avec deux trucs qui Oh, le brillent. trident! Oh, le beau trident! Oh, le crâne mystique. Enflammé. Oh, c'est quoi cette explosion? Hein? T'as un gros con. Si jamais il y avait un baril d'explosif et que t'as tiré dessus, t'as un gros con parce qu'on en aurait eu besoin. Mais non, j'ai Donc. pris mon trident et j'ai tiré, j'ai rien fait.
Ah d'accord. Ça va? Mais ça fait pas de dégâts, c'est vraiment un truc de ouf. Bah Attends, ouais. attends, attends, attends. Après en TK, je sais pas, peut-être que ça en fait pas beaucoup. C'est quoi ça? Bah oui, regarde alors. C'est quoi? Une carafe full or. Oh waouh. Ça vaut à peu près 400 balles. Non. Allez. C'est 2000 ça. 300. Il n'y a pas de TK. Ah bon? Bon, il y a des TK explosion quoi. Vas-y, c'est bon. C'est-à-dire que On va peut-être l'explosion finir par faire la du mission. bâton. Non mais j'ai abandonné pour la mission, je pense pas qu'on va la faire. Mais c'est horrible parce qu'on trouve toujours des trucs. Ça m'étonnerait qu'on la fasse vraiment. On s'emmerde sur le bateau. Non, c'est une aventure. On n'a plus le droit de s'emmerder sur le bateau. On est bientôt arrivé. C'est quoi? C'est l'île avec Ouais, je comprends pas trop où c'est. Ouais, pourtant on va dessus là, mais je la vois pas en face. Ah, c'est celle qui est derrière là-bas. Non? Je comprends pas. Eh, mais lui, C'est à la s'il droite prend là. le vent, sa mère, elle meurt. Hein. C'est à droite là. Eh, moi je m'occupe pas de tout. Moi je prends cette bonne barre et je la maintiens. M'étonne que c'est lent. Là, on passe à 110 hein, au lieu de 50. Ouais. Ah voilà. Y a plus qu'à. Pourquoi il parle en nœud et pas en kilomètre-heure? Parce qu'il nous emmerde. Il veut juste pas faire comme tout le monde, ces connards. Honnêtement? Oui. Non, il doit y avoir un truc, je sais pas. Vas-y, Non. explique-moi pourquoi. Pourquoi on peut pas parler en kilomètre-heure? Oh, logiquement, on peut tout à fait le faire. Putain. J'aimerais comprendre pourquoi on parle en nœud et pas en kilomètre-heure. C'est pour avoir son propre langage. En vrai, Non, il n'y a Parce aucun. que ça a été établi avant le kilomètre-heure. Donc, en gros, c'est des chauvins. Ni plus ni moins. Ils ont dit, c'est comme ça qu'on le Ancienne. disait il y a Attends, c'est 2000 ça. ans, donc on va continuer de le dire. On laisse traîner une corde avec des nœuds Oui, c'est derrière le ça, avec des bateau. nœuds. C'est ça. Et donc, ces connards, ils se sont pas dit un jour, tiens, on va évoluer. Ah, les nuls. Oh, les nuls. Un nœud égale 1,8 km. Ah ouais? Ok. Je pensais que c'était plus petit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Bah, La on clé, elle a une disait quoi? clé. La clé, elle dit Le exactement, requin le pas. requin patiente dans les rochers isolés près des deux palmiers, sous la grande épine rocheuse de l'île. La grande épine rocheuse de l'île. La grande épine rocheuse de l'île. Rocheuse de l'île. Rocheuse. Donc l'épine rocheuse, déjà, elle ressemblerait à quoi l'épine rocheuse? C'est Il y a bien pas mal ça, de rochers sur cette l'épine. île. Ouais, mais l'épine la plus grande, c'est celle qui sort en C'est hauteur là. à droite là. C'est la plus belle épine qu'on ait jamais vue. Donc Ouais. je pense que il doit y avoir des palmiers en dessous de cette épine rocheuse. Et on verra des genres de dessins de requins ou des conneries comme ça. Attention, faudra pas, même pas tarder à jeter l'ancre. Pas tout de suite. T'étais trop gourmand hein. C'est pas mal là. Alors, on n'a pas pris la Ah, clé? T'as pris la clé? si je l'ai, tu peux tuer le Captain Nautrus, s'il te plaît, qui se trouve à gauche. Capitaine! Il est où le capitaine? Bonjour. Alors. Putain, il fait pitié, il est tout seul là. Il me fait trop de peine.
Oh, il est fort. L'épine. L'épine rocheuse. Lapine. Non, je rigole. Ah non, tu rigoles. J'ai déjà oublié ce qu'il y avait écrit sur la clé. Hein. Et palmier et requin. Oh, palmier, j'ai pas requin. D'ananas, c'est triché. Dans ta mère. Putain, squelette vaincu. Dans ta mère, le squelette. C'est haut, mais ça peut le faire. Palmier, requin. Bon, ça c'est dit quoi? Le requin patiente dans les rochers isolés, près de deux palmiers sous la grande île rocheuse. Du charabia. Le requin patiente. Le requin patiente. Est-ce lui? Oh! Qu'est-ce que c'est que ce levier? Oh non, attends, j'arrive! Je sais pas pourquoi elle descend la cage, qu'est-ce qui se passe? Le requin patiente. Le requin patiente. Déjà, la grande épine rocheuse. La cage descend. Non, mais ne m'attaquez pas. Oh, mais putain, il m'empoisonne, il m'attaque. Oh, les gars. Bah, pour moi, c'était là-dessous, mais bon. Parce qu'à l'intérieur des rochers et deux palmiers isolés, sauf que je vois pas de rapport avec le requin. Alors... Sous l'épine. C'est une épine, ça. Elle est rocheuse, l'épine. N'est-ce pas? Le requin. Requin. Patiente. Patiente. Qu'est-ce que c'est que cette caisse que t'es passé à côté et que t'as rien dit? Ah, une caisse de stockage. Le requin patiente. Le requin patiente dans les rochers isolés, près de deux palmiers, sous la grande épine rocheuse de l'île. Le requin patiente. Je vais quand même pas mourir à cause de gros cons qui m'attaquent et qui puent la merde. Les légendes de la mer. Par Christopher Wallace. J'ai trouvé un bouquin. Je suis très content. Bonjour. Je vais être un peu dans la merde. Si tu veux venir m'aider, je suis preneur. Je suis en train de parler avec une meuf. J'arrive. Non, elle me parle trop là, elle me parle trop, elle me casse les couilles. J'arrive. Ah, j'ai loupé mon dash. J'arrive. C'est bon. Ah non, il y en a encore d'autres. Bien joué pour les crabiers. Le requin. Plus loin. Patiente. Alors. Un requin qui patienterait. Sous une épine. C'est notre bateau. Deux palmiers isolés. C'est notre bateau, ça? C'est pas notre bateau, ça! Quoi? Il y a des gens ici. Où ça? Là. Mais c'est notre bateau, ça! C'est toi qui as changé le drapeau? Oui, bah tu vois bien que c'est notre drapeau. D'accord. Non mais le drapeau LGBT en rouge, j'avais jamais vu, je savais pas que c'était à nous. C'est moi qui l'ai mis pour pas qu'on se fasse attaquer. D'accord.
Le requin. Par contre, j'ai toujours pas trouvé le requin. Patiente. On pourrait se dire que c'est là, hein. C'est marrant. Marrant que ce soit pas là. Là, je comprends pas. C'est quoi cette connerie? Oh, j'ai cru que c'était un aileron de requin. Marrant ça. Je suis désolé, mais c'est trop vague leur truc. Puis en plus, C'est c'est trop traduit à ça. chaque fois, donc bon, c'est de l'approximation. Tintin. Donc c'est pas là quoi. C'est pas là. D'accord. C'est quoi ça? Ah, c'est un serpent. Un requin là quelque part? C'est pas clair leur épine là. Oh, y a des requins. Y a des dessins de requins. Franchement, j'ai Des trouvé. dessins de requin. Franchement, je pense pouvoir dire que j'ai trouvé. Non, il n'en faut qu'un. Ah. Parce que tu vois, il y a quand même des requins ici. C'est marrant. Ah ouais? Moi, je trouve qu'il y a des requins ici. Mets-y la clé C'est vrai. dans une fente. Ouais, y a des requins. Mets-y le truc. D'accord. Mets-moi le truc dans. Dans le machin. Ça s'ouvre pas, hein. Marrant. Pourtant, je présente bien l'objet Qu'est-ce qu'elle dit là? en Ouais, elle dit évidence. rien, hein, le requin patiente. C'est comme ça que ça se termine cette histoire. Marrant. En même temps, je vois rien là. Ça veut pas rentrer quelque part, ça? Ah, c'est curieux, hein. Deux palmiers. Des requins qui patientent. C'est pas entre les deux palmiers? Curieux cette Je vois rien, histoire. il fait nuit, tu peux m'éclairer? Par C'est vrai qu'on pitié. n'y voit rien là. Parce que je peux pas tenir le truc. Et brandis le truc pour que ça éclaire vachement. Des requins vivaient ici il y a très longtemps. Ah non, putain, mais j'ai pas que ça à foutre. Aïe! C'est de la connerie, Aïe! c'est de la connerie. C'est de la connerie. Foutoir, pot de zob, bite en bois. Casse-couille à se téléporter, eux. Hein. Bon. C'est là ou c'est pas là? Vous voulez que je vous la clé? Vous voulez que je la mette quelque part, la clé? La clé. C'est là ou c'est type pas là? Commence à nous péter les couilles, hein, cette clé, hein. C'est là. Socle. Quelqu'un veut la clé? Tu vois un socle, toi? Je vois rien du tout, je vois rien. Quelqu'un veut la clé? C'est curieux quand même. Un petit Oh, c'est rocher. là. Mais. Putain, non, mais c'est. Non, mais regarde où faut le mettre. Mais ils sont cons ou quoi? C'est loin des. C'est loin des palmiers, hein. Ils mettent les dessins tout à gauche, les palmiers là, mais c'est ici. C'est vraiment de la Putain. merde, hein. Bite en bois. Allez, donnez-nous l'or. Attends, parce qu'il faut qu'on se prépare si jamais c'est là. Hein. Pourquoi? Ben, on aura un temps limité et moi je pense qu'il faut qu'on tente les médaillons. Ok, on prend les médaillons. Ou alors tu sors les coffres, je sais pas comment ça se Il passe. faut combien de Attends, mais. médaillons? Ça De commence? l'or! Ça De commence? l'or! Ça Mais sont où commence? les médaillons?
Je sors. Attends, on peut mettre les coffres juste ici ou faut les mettre. Je ne peux pas quoi. J'ai un médaillon de requin. J'ai un médaillon de requin. Vas-y, il y a un sort avec le médaillon. Les coffres, je peux les mettre juste dehors ou faut que je les mette plus loin que ça? Est-ce qu'il faut que je sorte de là où ça s'est levé la porte? Je sais pas. Répondez-moi vite. J'ai peur. À la première ou la deuxième porte? C'est pas toi qui pose la question. Juste dehors de la salle ou juste dehors la première ou la deuxième porte? Première porte, c'est bon. On a très peu de temps, on a très peu de temps. Attends, mais comment on monte? Comment on monte? Ah, j'ai une échelle. Oh putain, c'est la merde. Reliques dorées. Et je peux... y a pas moyen de les jeter pour que ça aille plus vite? Il nous manque un médaillon là. Ah, il est là! T'as le médaillon? Il est ici, mais je ne sais pas comment l'attendre. Toi, tu peux l'atteindre là d'ici. Non? Non, tu peux pas. Attends, j'ai pas vu, je t'ai pas ôté. Je sais pas où je suis. Comment j'y vais? Il est au centre, en hauteur là. Là! Ah, comme ça, là. J'ai. On ramasse de l'or. Eh, hey, les tas d'or ça se ramasse. Ok. J'ai placé le médaillon. Ok, récupère ce qui va en sortir. Qu'est-ce que ça me donne? Rien. Quoi? Donnez-moi. Qu'est-ce que ça m'a donné? Les symboles, énigmes. Quoi? Mais comment je les bouge? Dépêche-toi. Je sais pas ce que tu dois mais faire. Je sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Tourner en face, quoi? Ah, mais y'a des trucs qui tournent! Mais je sais pas ce qu'il faut tourner! Tête de mort! Tête. Parle-moi meilleur! Mais y'en a 4! Tête de mort, chaîne, cadenas! Il reste trop peu de temps! Mais c'est la merde! Moi je sais pas comment ça marche! Oh, c'est la merde! C'est la merde de ouf! Je comprends rien à cette énigme! Tête de mort, chaîne. Tête de mort, chaîne. Chaîne horizontale. Cadenas. Cadenas clé. C'est bon là. On va pas m'emmerder. Tête de mort, chaîne. Cadenas clé, peut-être. C'est ouvert. Le giga. J'arrive. Vite, sors-le parce qu'on a très peu de temps maintenant. J'arrive. Il reste encore plein de trucs à prendre. Oui, j'arrive. Ah non, j'ai loupé le truc. Si, c'est grave. C'est grave, j'ai loupé le truc. Ok, c'est grave. Je perds du temps. Oh putain, il va falloir sortir bientôt. On peut s'accroupir dans Sea of Thieves ou pas? Non, c'est fermé. Mais c'était encore ouvert de ouf. Mais oui, ça s'est fermé d'un coup. Prends l'or. Ça a lagué. Ça a lagué de ouf! Récupère l'or! L'état d'or, maintiens F! Je sais ce que je fais, comment on fait maintenant? Je sais pas, on va mourir, je suppose. Mais s'il y a des gens qui viennent et qui les prennent? Et on a encore la clé pour ouvrir? Ce sera ouvert! On a plus rien? Comment ça? Si, on peut. Oh là, je vais mourir! Je me gaffe par contre. Oh! Aïe! La deuxième porte est encore ouverte. On y va. Bah... Attends, faut que je revienne. Ouvrez. Ouais, faut vraiment être 2-3... En fait, soit faut avoir déjà fait la mission et connaître... Ouais, parce que j'ai galéré un peu à... Ouais. Parce que genre, je savais même pas que les tas d'or, on pourrait les récupérer à la fin. J'ai un peu galéré sur les médaillons. J'avais pas vu les piliers. Alors, c'est où? C'est là. J'espère que c'est rentable parce que j'ai pas vu des coffres de ouf. Hein. Je sais pas ce que t'as récupéré toi, mais. Oh bah, le gros, il doit être bien. Hein. Prenez la barque. Ah ouais, j'avoue, on pourrait grave prendre la barque là. On a même besoin de la barque, c'est sûr. Genre, sinon ça va être trop galère. Vite, avant que tes gens arrivent. Comment je largue la saloupe? Larguer. Détacher.
Ils sont là, les salopards. Ah. Ouais, je les sors. Pourquoi il y a un coffre qui est sorti? Bah parce que au début je savais pas si c'était la première porte qui se fermait ou la deuxième. Ah, d'accord. Donc en attendant d'avoir une réponse, je l'ai sorti pour sécuriser. Oh, ça doit être celui-là, le coffre. Oui, il est joli. Ouais, belle bite. C'est incroyable. Marrant qu'ils aient fait ça. Un peu frustré de pas avoir tout récupéré. À deux, on s'est bien démerdé, je pense. Pour des mecs qui connaissaient pas du tout. Oui, voilà, mais je pense que si tu l'as fait 2-3 fois, non, je pense à deux, c'est jouable. Ouais. Bah là, franchement, j'ai perdu 30 secondes, voire une minute sur l'énigme, hein, vraiment. Ouais, y a quand même pas mal de trucs à récupérer en fait. Ouais. Je me demande combien on va récupérer. Oh là, attends, si eux ils nous disent que notre chaloupe, ça va pas le faire. Tu pues. On jouera au juste prix à la revente. En comparant avec l'argent qu'on a actuellement versus combien on se fera à la fin. On pourrait même faire un bet. Genre plus de temps ou moins de temps. Je saurais pas faire l'estimation, donc faudra que ce soit quelqu'un qui s'y connaisse bien aussi pour faire une estimation. Et le dernier. On est sûr, on n'oublie rien. On va voir. Inspection dans les recoins. Putain, mais ce serait horrible d'attendre des gens à la sortie. Après, est-ce qu'il y a plusieurs endroits où il y a cette salle-là? Comment je... Alors, la dernière fois, ils avaient dit qu'il y avait une touche pour... Aller de l'autre côté, non? Ouais, c'est pas clair. Pour pousser. Ça fait freiner du coup. Ça fait tourner. Il y a une touche pour aller dans l'autre sens, pour faire reculer la barque. Oh, c'est galère. Attends. Tu m'as tué. Je t'ai tué. Je me suis téléporté sur le bateau. Putain, vraiment. J'ai écrasé avec la chaloupe. C'est scandaleux, vraiment. Oh mais comment ça marche? Putain, c'est insupportable. Je suis censé aller en arrière là, non? Allez. Mais pourquoi il va vers l'avant? Attends. Attends, mais là, je comprends rien. Là. Pas de marche arrière sur une barque. Bah après, tu peux peut-être la pousser, genre si elle est contre la plaque. Là, je la pousse, c'est mieux. Ça va aller mieux, je pense. Y'a un galion qui fonce droit sur nous. Ah bon? Non. Merde. Du coup là... Vas-y, mais là c'est galère parce que... Mais comment ça marche? Ouais, y'a pas de marche arrière, mais au bout d'un moment, comment je fais quoi? Ça va être la merde. Hein. On va aller tout au nord. Putain, mais honnêtement... Je peux tout...
journée là. Faut que je vienne voir de mes yeux parce que. Attends, là comme ça là. Putain, mais il y a la plage, du coup ça fait chier. Attends, regarde. Je l'ai conduit plusieurs fois. Ouais, vas-y, parce que là j'y arrive pas, là, ça m'énerve. J'arrive pas à tourner, non, j'arrive pas à tourner. Ouais, bah j'arrivais pas à faire ça là. Ça m'emmenait directement dans la plage. Quand je faisais une des deux. Il faut apprendre à dompter la bête. Mais non, mais quand je faisais une des deux, ça marchait pas. J'ai l'impression que ça faisait. Mouvement. Oh, j'en ras le cul. Toi, on va s'amarrer en douceur. On laisse tout dans la. Dans la truc. Ouais, on laisse tout dans le machin. Exactement. Il faut bloquer avec A et E en même temps. Oh putain. Putain de jeu. Alors. Où est-ce qu'on va? Au nord. On va pour le nord. Ouais, tout au nord. On a 3 tridents. C'est dommage que ça se revende pas. Hein. On a rien d'autre qui traîne. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? On a tapé? Ah non, il y avait une tempête. On a dû moi taper. Jamais. Attends, il n'y a pas de l'eau qui sort quelque part là? On n'a pas un trou. Non. Pas de trou. Ce serait dommage que le tonneau explosif là-haut il explose. Tu vas pas faire ça alors qu'on a pas. Non, j'allais pas tirer dessus, je voulais juste zoomer, mais. Ce serait con quoi. Ah c'est bon, on a bientôt gagné. Faut refund la prédit, personne n'a compris. Quoi? Alors. C'est quoi cette musique? Alors pas maintenant là, on a des trucs là. On doit ramener des choses là. Bon, on s'inquiète pas. Non, on s'inquiète pas. C'est tout droit. Y a pas de problème. Le Kraken aurait été plus embêtant parce qu'il nous aurait ralenti. Lui c'est bon, on peut lui filer. Non. Un problème. Si on le touche pas, il nous attaque pas, c'est la règle. C'est bien qu'il y ait des règles. Là, tu vois, je suis persuadé qu'il va rien nous faire. Non, il va juste tourner autour. En fait, il défend son territoire, c'est tout. Mmh. Il est intimidant, mais il va rien faire. C'est normal, hein. On peut pas le reprocher. Il fait bien, hein. Je vois aucun navire ennemi aux alentours. Ça sent bon. Nickel. C'est un avant-poste, l'île avec un gros navire au-dessus des rochers. Je sais pas, on est un peu loin, non? Ah non, c'est la prochaine. C'est celle-là. C'est bien celle-là. Des damnés. Moi je veux juste vérifier qu'il n'y a pas du tout. Putain, mais il est fond ce rocher là qui sort du sol. À moins que ce soit pas un. Pas un navire rocher. Oh la corque. Ça donne envie d'aller, donne envie d'aller à l'intérieur quand même, mais. Je suis bien lancé là, je suis bien dans ma lancée. Ce serait de la gourmandise, ce serait de la gourmandise. Moi je pense qu'on va. Je suis à combien là? Quoi? Je suis à 105 000. J'ai 112 000. Attends, mais on s'est fait beaucoup d'argent non? Bah j'étais à 5. On s'est fait genre 50 000 balles. Hein. Un truc comme oui, ça. Oui en fait. Au moins 50 000.
avec nos péripéties depuis tout à l'heure en fait. On a bien bossé hein. Ah oui, on a bien bossé hein. De l'or par-ci par-là. Donc là, je suis à 112 000. En vrai, là, je pense que j'y connais rien en revente, mais je dirais qu'on pourrait en avoir pour plus de 80. Ah, je dirais aller 100 000. Bah moi, tu vois, allez. Je dirais beaucoup moins. Parce que à part le giga coffre, le reste c'est des petits trucs. Aventurier, c'est pas cher, non? T'as 2 bits. Quoi? Attention, prépare-toi à ralentir, non, mais à pas jeter l'angle directement. Je pense que c'est beaucoup moins. Ça dépend. Fais du un prix. 90 degrés à gauche quand je te le dirai et tu jettes l'ancre. L'ancre et braque 90 degrés. Attention, 90 degrés gauche. Attends. Vas-y, 90 degrés gauche maintenant. Ah, j'ai pas pu parce qu'en fait. C'est pas grave. Oh, on est loin quand même. Un peu. Non, mais c'est parce qu'on doit prendre la chaloupe. Ouais. Et putain. Ah, dommage, à côté. Vas-y, fais la dropper. Alors. Moi qui prends la chaloupe. T'es sûr, parce qu'on en a pas une demi-heure devant nous. Hein. Ah, voilà, ça y est, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Voilà. Alors non, du coup. Non, tu... C'est par où, là? C'est pas ça à gauche. Bah, à gauche. C'est quoi alors. Cette histoire, là? Il y a des trucs ici, là. Attends, c'est quoi, ça? C'est une caisse de pierre précieuse. Je vois pas où on vend, là. Ah, là. Ah non, c'est un truc exotique. Ça se revend, ça. Vous me reprenez ça? Parfait. Le coffre d'ancien tribu. C'est parti. Oui. Pas mal. Il vaut rien. Arrête, c'est pas mal, 3000 hein. J'étais à 105 000, ok. Moi je pense qu'on en a pour 100 000. Toi tu dis combien? Tu dis même pas 50 000 toi. Même pas, genre 30 000 max. Genre. Je dirais 30 000 max. Ah merde, je crois qu'il commence à avoir raison vu le prix des coffres. C'est pas cher hein, cette merde. On s'est bien amusé, c'est l'essentiel. Ah, je crois que c'est même pas 30 000 du tout. Hein. Genre vraiment, c'est. Il y a des trucs. Ah, les reliques, elles sont belles quand même. Plus. C'est des belles reliques, ça. Ouais, mais enfin, là, on s'est baisé, là. Des belles reliques, mon cul, ouais, ça a rien donné. Oh là 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 là. Attends, j'y crois encore. Je me suis fait 15 000. Là. Alors là, c'est du 2500. On lui apporte de la poussière là. C'est de la merde. Oh, un beau crâne là. Ouais, les enfants, pourquoi faut pas faire de paris sportifs? C'est de la merde. Ouais, ça commence à être mieux que ce que j'espérais, mais. Ça reste de la merde. C'est pas dingue, hein. Moi j'étais bah, parti que... sur. Vu qu'on s'est fait 50 000 les doigts dans le pif, au global, je me suis dit, bah on va gagner 100 000 avant une quête comme ça. Au global, on a bien bossé, mais. Attends, je vais voir s'il reste des choses dans le navire. J'étais à 105 000, je me suis fait 19 000. Mmh. Ouais. Bon, après tout ça dans une salle, c'est quand même. Bon. C'est intéressant. Oui, non, mais attends, il a fallu y aller dans cette salle. Hein. C'était. Ouais, c'est vrai que ça prend du temps. De visiter. Ok, non, mais voilà, c'est fini, y'a plus rien dans le navire. J'ai juste envie de tirer sur ce putain de.
de baril Ouais, en moi haut j'ai là. envie d'attaquer. Non, j'ai envie d'attaquer un navire histoire de terminer le truc, quoi. Parce que pour me défrustrer, Bah qui? même si c'est un galion. Y a quelqu'un là? On va bien trouver quelqu'un rapidement. Là, y a personne. Écoute, on a deux tridents. On a de l'énergie à revendre. Quittez l'alliance pour recevoir votre gold. Je J'en ai vais voir. 131 000 moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, ils disent quitter l'alliance pour. Pour. On n'a pas d'alliance. Ah! L'émissaire. Vous parlez de l'émissaire. Non, vous parlez pas de ça. Je sais pas de quoi vous parlez, mais. Rapprochez votre bateau pour baisser le pavillon de l'émissaire. Ah! Et c'était pour faire quoi Et ça? Il faut le faire ça? Et il faut le faire? C'est mieux. Pourquoi? Ça donne pas mal. Ça rapporte des gold. Ça fait genre 4000 balles. Ah ouais. Bah si on passe par un avant-poste, il faut le faire. C'est quoi ce grand crâne rouge dans le ciel là? La mort. Oh, attends, on a quel type de boulet Ça c'est quoi? Ça jette l'encre. C'est pas mal si on se fait, Alors, si on veut les faire arrêter. Quelqu'un a oublié un coffre décoratif ici. On va revendre. Mille par niveau d'émissaire, donc 4000 pour vous. Bah bravo. Comment on choisit quel GG. Type de boulet on... Oh! Pas énorme. Comment on choisit le type de boulet? Je comprends pas. C'est compliqué cette histoire. Oh, je suis dans une tempête là de merde! Il est loin! Au crâne rouge, y'a personne? Bah, je ne sais plus où il est parce que je suis dans la tempête. Ah! Ah, il est là. Et je ne sais rien moi. Je sais ah, pas ce que ça représente le crâne rouge. C'est le fort. Donc il peut y avoir des gens. Ok. Putain de tempête à la con. Ah oui c'est. Oh l'ambiance. Putain. Oh puis c'est dur de tenir la barre. Ah ouais, et puis y a un avant-poste à gauche là. Tu sais pas où est l'ouest, j'imagine, du coup. Ah bah, je te laisse regarder ma boussole. Ouais, ouais, je. Ah bah là, d'un bien. Coup, ça c'est. Ouais, bah, on se dirige vers l'ouest en tout cas. Ouais, là on se va vers la bonne direction. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais regarder. Dans l'époque. De voir s'il n'y a pas un navire et je crois qu'il y en a en face de nous, mais je suis pas sûr. Alors. Oh la gerbe. Oh la vache. Gerbe. Gerbe. Oh les vagues, putain. Ah, c'est plus. C'est complètement à gauche l'avant-poste si on veut se prendre les 4. Ouais, mais en boules. Face de nous, c'est pas un navire. Je verrais peut-être mieux là-haut, mais.
Je crois voir des voiles au loin. Oui, mais c'est... Alors c'est... Ça c'est fantôme ou pas? Chat. Ou c'est des gens? S'il y a plein de lumières différentes, a priori c'est fantôme. C'est plein de lumières mais de la même couleur. Bleu. Ah, même couleur Tout droit. C'est joueur, tout droit. C'est un galion. Ils sont 4, on les 2v4. Ils sont au fort. Oh, on peut le faire. Attends, ça se trouve c'est un... Ça se trouve c'est pas un galion. Attends. Ça, ouais, ça a deux mâts. Ça a deux mâts, trois jambes, une tête. Qui suis-je? Brig, c'est Brig. Et bah voilà, c'est bon, c'est deux mecs sur un brig, c'est sûr. Allez. Deux mecs sur un brig. Je prends le baril de poudre, on y va. Attends, non, justement, toi prends la Aïe. Barre, j'ai une idée. Voilà, j'ai pris le baril de poudre. Vas-y, bah fais voir. Il faut que tu ailles. Attends, je vais changer d'arme. Hop. Prendre le pistolet. Un peu de munitions. Le baril est là. Pour l'explosion, depuis la mise à jour, ça se trouve ça a changé, mais avant, le plus opti c'était de monter sur le navire et de faire péter près du mât. C'est toujours la même chose ou maintenant ça a changé? Faut aller à l'intérieur du navire ou faut aller sur le mât? Clic gauche avec le baril en main pour allumer la mèche. C'est vrai ça, mais comment ça explose? Bah ouais, t'allumes la mèche, donc après ça explose tout seul. Dans la cale. Sous la coque ou près du mât? Si tu te mets sous la coque, tu peux être discret. Parce que là, ils ont l'air énervés. Tu veux y aller à la nage? Ouais, faut que tu te mettes à côté de moi. Bah je suis obligé d'aller à la nage. Faut que tu... Bah, braque à droite, hein. Non mais je vais pas aller près d'eux, parce qu'on sera cramé direct. Ah, tu veux que j'aille à la nage là, à partir d'ici? Je voulais que tu y ailles en sneak, genre... Ouais, non. Ouais mais avec ça, je peux pas faire de nage rapide s'il y a un requin. Ouais, parce que là, on est cramax, hein. Ouais. Enfin, là, ils savent, quoi. Bah vas-y, je plonge maintenant, mais... Attends, bah je me dirigeais vers eux. Ah non, mais cache-toi, c'est juste que pour moi, c'est... Non, mais je me dirigeais vers eux. Bon, c'est la merde. C'est la merde. Ah. Il y a une... Merde, la sirène, elle me fait cramer du coup. La sirène, elle avait une grosse fumée devant moi. Ça dit clairement au mec, eh oh, il y a un gars dans l'eau là. Putain, mais ils visent loin les connards. Ils te tirent dessus? Je crois pas que ce soit eux qui me tirent dessus. Non mais là, il m'a vu là. Occupe un petit peu. Alors je vais essayer de m'en rapprocher un peu. Je vais les occuper. Je fais un petit demi-tour. Les autres voient pas la fumée. C'est bien ça. C'est bon, je suis mort, mais leur bateau il est en train d'être dans la merde là. Genre t'as pété là? T'as fait péter leur truc? Ah ouais, ça a explosé là. Ça a bien explosé. Là il est en train de boucher, mais. Il va peut-être réussir à reboucher tout. Oh, ça brûle là. Oui, ça brûle. De toute façon, nous on est en mission sacrifice, on en a plus rien à foutre du... Oh, y'a plus rien à nous. Après, faut qu'ils écopent quoi. Je les encule. Je leur ai mis 5 boulets de canon. C'est à dire qu'il a pas coulé encore le truc? Apparemment non.
Ah, ça peut plus tirer au canon là. Ça peut plus là? Non, non, ça peut plus. C'est trop à droite. Je vais à gauche. Ah, ça crame là. Moi, ça crame depuis tout à l'heure, mais c'est un peu galère. Ah, salut! Il vient de me buter. Ah, il est atterri ici lui. Tu peux lever l'encre si tu veux pour éviter. Non, mais c'est bon, je l'ai tué. Ils vont bientôt crever, mais. Je sais pas, hein, il a pas l'air de vouloir couler le truc. Ils se prennent pas mal de boulets et tout. Ah, faudrait que ça tourne un tout petit peu pour que. Bah, je lève l'encre. Hein. On va jouer mobile. Ah, puis la sirène qui nous tire dessus, ça va aller. Ah putain, les boulets. Oh là, on va être stuck. Oh là, l'erreur. Erreur de manœuvre. Mais ça veut plus tirer, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de bataille. Hein. Putain. Ah, c'est quoi que c'était ma one shot? Il était à côté de toi, je lui ai mis un coup chargé, mais il m'a eu aussi. Le coup chargé n'a rien fait. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec. Bah là, ils vont niquer notre bateau. Faudrait juste qu'on arrive à réapparaître avant. Mais comment ils peuvent le niquer? Là, on prend des coups de canon. Bah non, ils sont pas tous les deux sur le navire, ils ont pas été coulés les bâtards. Ils ont pris cher quand même. Combat, parce que T'as mis tonneau et derrière j'ai mis 5 boulets de canon. Non mais déjà rien que quand j'ai mis tonneau, je suis arrivé dans la cale, quand je suis mort l'eau était déjà au niveau de ma gorge. Et il était tout seul en train d'essayer de réparer le bateau. Ça je comprends pas pourquoi il a pas coulé. Allez, l'écran noir, c'est trop long, monsieur. C'est trop long, l'écran noir. Ils ont niqué le bateau? Il y a des trous, mais... ça se répare. Ah. Ah, en fait, ils sont à l'intérieur. Ouais. Il y en a encore un. Faut que j'écope vite. Ah, je peux pas, je suis mort. Ah bah, ils jouent le... Comment eux ils arrivent à détruire le bateau de l'intérieur? Ils jouent avec nos bâtons, ces bâtards. Ah! Donc ça veut dire que le TK ne faisait rien, mais ça se trouve c'était OP. Ah oui, par contre je me fais one shot, ouais. C'est abusé. C'est très facile à réparer. Non, je savais pas. Mais. Ils ont des sacrés skins, hein. Des grands joueurs probablement. Je l'écoute pas. Ah, je l'entends pas moi. Plus pratique. C'est des Russes. Des Russes? Oui. Eh ben. Ils font de la musique là. Ah non, bon, je crois qu'on peut aller se coucher. Ah. Je crois que c'est parce que notre navire n'est nous sommes de retour à la maison. Ah, ah au chaud, ça fait plaisir. On a perdu 4000 balles du coup. Hein. Écoute, de toute façon, c'était pas si lucratif que ça depuis le début, cette mission. Mais au moins, c'est pas eux qui les ont eu, ces 4000 balles. Yes. Par contre, c'est abusé que le bateau ait pas coulé, wesh. Non, franchement, tonneau, 5 boulets, ça va. On s'est bien démerdé. Non mais t'aurais vu dans la cale, comment ils étaient dans la merde, tout seul le mec à devoir réparer le truc alors que l'eau était en train de grimper mais à une vitesse folle. Ils peuvent aller Je revendre. Je me demande comment il a fait pour clouter des planches en bois plus écoper. Ils peuvent revendre notre émissaire. Et bah tant mieux pour eux. Super. Ouais, saloperie de russe de merde. Ouais. Méchant. Tant pis. De toute façon, je voulais pas leur vendre l'émissaire. Ils m'emmerdent. Connard. Merde. Comment je suis monté jusqu'en haut, moi? Je sais même pas ce que je fous là. Oh, le singe. Je suis un gros singe. Eh ben. Fin de l'aventure. Ouais. Non, c'était pas mal quand même. C'était toujours plus intéressant que Jack Sparrow.
Ouais, oui. Mais dommage que ça rapporte pas assez, franchement, la quête. Parce que bon. Tu te casses le cul à récupérer des morceaux de cartes pour ensuite être en top chrono, tout ça pour récupérer moins que ce que tu lootes sur le chemin. Il devrait être plus généreux sur les portions de frites. Allez. La cheminée est bouchée. Pas très immersif. Allez hop. Je désinstalle ça. Allez, c'est désinstallé. Moi, un jeu qui n'est pas crédible. Ouais. C'est non merci. Bon bah allez, hein, bonne votre nuit. Votre quête n'était pas une quête en or, mais en pierre, du coup pas ouf. Notre quoi? Je sais pas, apparemment la quête que j'ai prise, genre elle était pas... Ah bon? Ah! Si tu fais la même quête en étant plus de level 50, ça rapporte entre 60 et 100K. Ah oui, c'est vrai qu'on a pris celle pour level 35. Oh oui, c'est vrai que peut-être que là, du coup, c'était Faut pas ramener un mec dans le terrible. lobby qui est level 50 et il nous la met et salut. Et il se casse, Ouais, qui se casse ciao. hein, parce que c'est bon Eh aussi. Hein. Il va pas jouer avec nous non plus. bien, écoutez, mes mignons, merci et à bientôt. Et vive Salut. la piraterie. Ouais, J'étais enfin, dire bon, vive de la merde. République et je me suis dit, bah dis donc. Sympa le mec, vraiment cool. Salut. Allez, au revoir.